God will make a way. Hallelujah. Where there seems to be no way, He makes a way. We cannot see. He will make a way for me. Oh, He will be my God. Hold me closely to His with love and strength. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. May the Lord bless you. Asseyez-vous. You may be seated. Nous vous saluons ce matin. We greet you this morning. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est encore un grand privilège. It's again a great privilege to be here. D'être ici dans la maison du Seigneur. To be here in the house of the Lord. Et je suis content de voir notre précieux frère, le frère Billy. And I'm happy to see our precious brother, brother Billy. Que Dieu le bénisse richement. May God richly bless him. Amen. Amen. Ce matin, je commence quelque chose ici à l'église. This morning, I'm starting something here at church. Pour essayer de nous aider que nous puissions s'approcher plus près du Seigneur. To try and help us that you must come close to the Lord. Et j'aurai 4 leçons à donner à l'église avant que je me déplace encore. I'll have 4 lessons to give to the church before I may move again. Ça va nous aider que chacun de nous puisse essayer de travailler là où Dieu l'a mis. It will help us that each one of us may try and work where God has placed them. Et ce grand désordre qui fait que quand moi je voyage, tout le monde ne vient pas à l'église. And this great disorder that allows that when I travel, everyone don't come to church. Ou ceux qui occupent les fonctions à l'église, comme les musiciens, les autres sont toujours absents. Or those who have duty in the church, like the musician and the others, are always absent. Même aujourd'hui, je vois le docteur Kate qui est venu nous aider là. Today I see Dr. Kate who came to help us. Mais je crois aussi que c'est sa place, Kate là. I believe it's also his place. C'est eux qui ont construit cette église ici. He is part of the one who built the church. C'est pourquoi j'ai pensé, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. That's why I thought, because the faith comes of that which we hear, that which we hear of the word. Parce que si une église, nous devenons une église où quelqu'un vient le jour où il veut. Because if you become a church where everyone comes when they want. Ou quand il y a un grand enseignement, là les gens viennent. Or when there's a great teaching, people come. Ou quelqu'un, s'il y a une petite circonstance. Or if there's a circumstance. Ou un empêchement, il laisse son poste. Or something forbid them, they leave their duty. Il faut que les diacres appellent, il faut qu'on appelle. The deacon must call, we must call. Ce ne serait pas une église. It won't be a church. Et nous croyons que cette restauration a déjà eu lieu. We believe this restoration has taken place. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe in it? Et aucun démon de l'enfer ne peut empêcher encore. No demon of hell can stop it again. Que cette œuvre ici revienne plus grand, plus glorieux. And this work come back greater and more si glorious. Si vous ne le croyez pas, mais moi je le crois de tout mon cœur. If you don't believe it, I believe it all my heart. Et vous devez savoir aussi un mystère. You must know one mystery. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Si Jésus avait dit aux gens, if Jesus told people, si vous ne voulez pas acclamer, if you don't want to clap, de ces pierres Dieu peut susciter des enfants. From this stone God can raise children. Vous allez voir que tous ceux qui négligent l'œuvre de Dieu, you will see all those who neglect the work Dieu of God. Commencera à vous remplacer. One by one. God will start replacing you one by one. Et petit à petit. And little by little. Parce que c'est la parole du Seigneur. Because it's the word of the Lord. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Shall we stand? Vous aimez la parole? Do you love the word? Entrons directement dans la parole. Let's go straight into the word. Hébreux chapitre 7. Hebrews chapter 7. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 7. You're going to read in Hebrews chapter 7. Nous commençons au verset premier. We start in verse 1. Je vais faire un long lecture. I'm going to have a long reading. Hébreux chapitre 7. Hebrews chapter 7. Nous commençons au verset premier. From verse 1. Je crois que vous aimez la parole. I believe you love the word. Et vous êtes prêts pour écouter la parole. Are you ready to listen to the word? En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Et celui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il est encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, car c'est sur les sacerdotes qui repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdotes étant changés nécessairement, aussi à un changement de loi. En effet, celui qui, de qui ces choses sont dites, appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Ouais. Hebrews chapter 7 from verse 1 to 17. For this is Melchisedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and they blessed him, to whom also Abraham gave the tenth part of all, first being by him interpretation, king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abide a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of all the spoil. And verily, they that are in the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have commandment of the taken tithe of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not content from the received tithe of Abraham, and blessed him that had the promised. All without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithe, but they is received them of whom it is witness that he liveth. And as I may so say, Levi also who received tithe, paid tithe in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under the people received the law, what further needs was there to another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he whose the things are spoken pertain to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood, and it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek, there ariseth another priest, who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of the endless life. For the testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Allons dans le livre d'Apocalypse. Let's go into the book of Revelation. Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5. Nous commençons au verset 1er, là où la Bible nous parle sous l'ouverture des sceaux. We start in verse 1 where the Bible speaks about the opening of the seals. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Écoutez le verset 10. Listen to verse 10. Tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Revelation chapter 5 from verse 1 to 10. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seal thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look therein. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look therein. On And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as he had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God, sent forth into the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the four beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the praise of saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, of thou was slain and has redeemed us to God by the blood out of every kindred, tongues, and people, and nation, verse 10, and has made us unto our God, kings and priests, and we shall reign on the earth. Courbons nos têtes pour la prière. Let us bow our head for prayer. Seigneur notre Dieu, Lord our God, encore une fois en ce dimanche de la résurrection, once more in this Sunday of resurrection, là où tu avais laissé une tombe vide il y a 2000 ans, where you left an empty tomb 2000 et dans years ce huitième jour, Père, in this eighth day, quand tu es descendu dans une épaisse nuée de gloire, when you came in a thick cloud of pour glory, nous faire sortir du tombeau des âges, to take us out of the tomb of the et pour nous amener, Seigneur, au sceau de Pâques, and to bring us in the Easter seal, au sceau de la résurrection, in the seal of resurrection. Et nous avons vu la descente, Seigneur, we have seen the coming down, de la puissante vivifiante, of the quickening power, qui est venu nous passer de la mort à la vie, come to take us from death du unto quatrième life, saut au septième of the fourth seal to Seigneur, seven seals. Viens encore ce matin, Lord, come again this morning, au temps présent ici à in l'église, time here in the church. Moi je ne suis qu'un pécheur, I'm just a sinner, sauvé par la grâce, saved by grace, il n'y a rien de bon en moi, nothing good in mais me, cette épouse qui est devant moi bride that is before a été rachetée à un grand was prix, redeemed with a great descend price. Par la puissance et la vie come de Christ, by the power and the life of viens Christ. Ouvrir la parole pour come nous and open the et nous donner la révélation, nous avons lu la Bible, Père, n'importe qui a étudié peut l'allure, Seigneur. Mais quand tu as donné la vraie interprétation et la vie, Seigneur, life, cela ne peut venir que de toi. Écarte-nous du chemin. Prends le contrôle de mon être, de mon esprit, de mon âme et de mes sens du corps, afin que tu parles à ton peuple avec la puissance de la résurrection. Oh Dieu, et bénis ton peuple. Ceux qui étaient venus ici, Seigneur, qu'ils puissent recevoir ta parole, influencés par leur théophanie, afin que l'omnipotence puisse changer, Seigneur, change, Lord, notre vie, our life, et cela bénit notre Église. Bless our les autres ont des problèmes, oh, ils ont des maladies, Père. Oh, laisse que quand la parole se when prêche, preached, et cette parole a en elle, la puissance de la guérison, la puissance healing, de changement, changing, la puissance de transformation, viens nous transformer encore une fois. Bénis-nous, oh Dieu, us, oh alors God, que nous nous attendons à toi, afin que quand nous sortirons d'ici, que nous puissions dire comme les disciples, que nos cœurs ne brillent-ils pas au-delà de nous, pendant que la parole nous a when été apportée. Fais cela pour ta gloire. Do that for your glory. Quand nous l'avons ainsi prié et demandé, so dans us, le nom tout-puissant the Almighty de notre Seigneur, of our Lord, de Sauveur Jésus-Christ. And Jesus Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Il y a un mystère ici. There is a mystery here. Parce que maintenant, dans le message du temps de la fin, because now in the message of the end time, d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de controverses. One way or the other, there's a lot of controversies. Quand nous voyons Frère Branham, le prophète, when we see Brother Branham, the prophet, a placé Joseph, he placed Joseph, son fils biologique, his biological son, à la position que vous connaissez, in the position that you know, et les gens se demandent, and people are wondering. D'autres disent, others say, Frère Branham est venu nous ramener, Brother Branham came to bring us back, au
sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. To the priesthood according to the order of Aaron. Et comme l'ordre d'Aaron est déjà changé, like the order of Aaron has already changed, ceci ne marchera pas. This shall not work. Et en accord avec chacun de nous, and in line with each one of us, croyants de ce message, believers of this message, parce que nous vivons au-delà de l'ouverture des sceaux. Because we live beyond the opening of the seals. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Cette épouse vit au-delà des sceaux. This bride lives beyond the opening of the seals. Et quand les sceaux sont ouverts, and when the seals are open, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. The Bible says God made of us a kingdom of priesthood. Et l'épouse devient un royaume. And the bride becomes a kingdom. Un royaume de sacrificateurs. A kingdom of priesthood. Et nous avons lu là où Paul l'apôtre. And we read where Paul the apostle. Le premier messager. The first messenger. Essayait de montrer aux Juifs. Was trying to show unto the Jewish. La différence entre les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. The difference between the priesthood according to the order of Aaron. Qui était un ordre charnel. That which was a carnal order. Et par rapport à ce Melchizedek. And according to this Melchizedek. Qui était le sacrificateur. That which was the priesthood. À perpétuité. Forevermore. Pour toujours, il est sacrificateur. Forever is the priest. Paul essayait d'attirer leur vie dans un mystère. Paul was trying to catch their eyes into a mystery. Afin qu'ils comprennent. That they may understand. Dans quel jour nous vivons. In which day we are living. Dans quel temps nous vivons. In which time we are living. Et dans quel sacerdoce. And in which sacerdoce. Et dans quel ordre de ces sacerdoces. And in which order of that sacerdoce. Que nous sommes en train de vivre. That we are busy living now. Qui peut dire un grand amen à cela. Who can say a big amen to that? Remarquez la première sacrificature. Look at the first priesthood. C'est pourquoi mon sujet c'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. That's why my subject is the priesthood according to the order of Melchizedek. Je parle ce matin sur le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. I'm speaking upon the priesthood according to the order of Melchizedek. Dans H-A-M. In H-A-M. L'ordre de Melchizedek. The order of Melchizedek. Bien sûr, mais dans H-A-M. Yes, but in H-A-M. Dans le Père de la foi. In the Father of faith. Remarquez le premier sacrificateur. Notice the first priesthood. C'était selon l'ordre d'Aaron. It was according to the order of Aaron. C'est une petite leçon de compréhension ici. It's a little lesson of understanding here. Et j'aimerais que vous soyez attentifs à cela. I want you to be careful to that. Le premier sacrificateur que Dieu a établi. The first priesthood that God established. C'était selon l'ordre d'Aaron. It was according to the order of Aaron. Parce que quand il les a appelés, ils étaient en Égypte. Because when he called them, they were in Egypt. Remarquez que quand ils sont sortis, notice when they came out, ils sont arrivés dans le désert. They got into the desert. Et là, dans le désert, and there in the desert, les anciens avaient pris des femmes étrangères. The elder took elder and strange women. Et personne ne pouvait parler. And no one could speak. Alors il y avait en ce temps-là, and there was in that time, la tribu de Lévi, the tribe of Levi, par leur enfant qui était finé, by their child, qui était finé. Who was funny? Sans vision, without sans que Dieu parle. Without God speaking to him. Il a vu seulement que les anciens ont pris les femmes étrangères. He only saw the elder took the foreign women. Ce qui était interdit dans la Bible. That which was forbidden in the Bible. Parce qu'en aucun cas un croyant pouvait épouser une incroyante. Because in no case a believer could get married to an unbeliever. Qui peut dire un grand amen à cela? Who can say big amen to that? Les Juifs devaient se marier entre eux. The Jewish had to get married between them. Mais ils ont pris des femmes étrangères. But they took foreign women. Mais ils entraient dans les fêtes de Baal Peor. And they went into the feast of Baal Peor. Ils ont oublié les lois de Dieu. They forgot the law of God. Phiné n'avait pas reçu une vision. Phiné did not get a vision. Ni une prophétie. Neither a prophecy. Ni un ordre venant de Dieu. Or an order coming from God. Mais il a regardé à la parole. But he looked at the word. Que ce qui se faisait était contraire. That which was taking place was opposite. Il a pris la langue. And he took this il arrow tous ces and he killed all those people. Et il a pris sa tribu à and lui. He took his tribe. Il était dans la tribu de Lévi. He was in the tribe of Levi. Quand ils ont fait ça, when they did that, est-ce que vous me suivez? Are you following la me? Bible dit que Dieu était content. The Bible said God was happy. Il dit, voici un homme selon mon cœur. He said, behold the man after my heart. À partir d'aujourd'hui, from today, l'Urim et le Thummim, the Urim and the Thummim, ce qu'on appelle la lumière et la perfection, that thing we call the light and the perfection, ne s'écartera pas de la tribu de Lévi. Shall not go far from the tribe of Levi. Parce qu'ils ont pris position pour Branham la parole. Said because they took position for the word. Oh, je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Vous savez, vous pouvez venir à l'église. You know you can come to church. Comme vous venez ici. Sometimes you come Dieu here. Nous a envoyé Moïse. God sent us a Moses. Mais il arrive parfois. But it happens sometimes. Pour prendre position to pour take la parole, position for the word. Cela n'est pas donné à n'importe. That is not given to anyone. Et on ne prend pas une position and pour we don't take position for the word. After you receive a vision. No, sir. But a brand new say it's your courage de prendre position to take position pour la parole de for Dieu. The word of God. Dieu a dit qu'à partir God said from today cette tribu ici, this tribe here de Lévi, of Levi
L'Urim et le Thummim. The Urim and the Thummim. Ne s'éloignera pas de shall lui. Not go away from them. C'est eux qui seront les sacrificateurs. They are the one who shall be the priest. C'est eux qui vont manipuler la parole. They are the one who shall work with the word. Les lois de Moïse, the law of Moses, they're the one who shall work with it. Parce que c'était le projet de Dieu depuis longtemps. Because it was the project of God from a long time. Un sacrificateur, a priest, ne pouvait pas sortir d'une autre tribu. Cannot come out of another tribe. Seulement dans la tribu de Lévi. Only in the tribe of Levi. C'est quoi, vous voyez même Moïse, that's what you see in Moses. Son père était de la tribu de Lévi. His father was from the tribe of Sa Levi. Sa mère était de la tribu de Lévi. His mother was from the tribe of Levi. Qui peut dire amen à cela? Who can say c'est amen to that? Lui-même était sacrificateur. That's why himself was a priest. Il était prophète. He was the prophet. Il était le grand prophète. He majeur. Was their great major prophet. Et remarquez que quand ils sont devenus and ça. Notice when they became that. Remarquez même ici dans Deutéronome. Notice even here in Deuteronomy. Si on peut lire avec vous ensemble. If we can read with you together. Dans Deutéronome avant que Moïse meure. In Deuteronomy before Moses die. Quand il devait monter dans le mont Nebo. When he had to go into the mont Nebo. Et il est mort, les anges l'ont enterré. And he died, the angel buried him. Vous croyez ça? Do you believe that? Quand il bénissait les 12 tribus. When he was blessing the 12 tribes. Il leur donnait les prototokia. He gave them the prototokia. Remarquez 33 le verset 8. Note 33 verse 8. Sur Lévi, il dit. Up on Lévi, he says. Si c'est des tribus de Lévite ici. Up on that tribe of Levi. Il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. He said the Thummim and the Urim have been given to the Holy One. Oh, je vais entendre votre. I want to hear an amen. L'Urim Thummim c'était les 12 pierres. Urim and Thummim were the 12 stones. Qui représentaient les 12 tribus d'Israël. That represented the 12 tribes of Israel. Et cela avait des lumières. And they had light. Le sacrificateur portait ça. The priests were wearing it. Quand tu donnes une prophétie. When you give a prophecy. Tu donnes une vision. You give a vision. Oh, tu es prophète. You are a prophet. Oh, Dieu t'a dit ça. God told you this. Le peuple ne pouvait jamais croire the ça. People could never believe jusqu'à it. Jusqu'à ce que tu viennes demain l'Urim Thummim. Until you come before the Urim and the Thummim. Quand tu dis ta prophétie. When you say your prophecy. Ce que Dieu t'a dit. Or what God told si you. Si la lumière. If the light. Les 12 lumières the ne se manifestent pas. The 12 light does not manifest. Peu importe même si no c'est un matter, homme. Even if it's an angel. Qui t'était apparu. That appeared to you. Le peuple ne pouvait pas le the croire. The people could not believe it. Et Dieu dit ici, and God says, yeah, yes, et sir. On appelait ça l'Urim et le Thummim. They called it the Thummim and the Urim. C'est Aaron qui portait ça. It's Aaron who was wearing it. On appelait ça lumière et perfection. They called it light and perfection. Ça manifestait la lumière de l'arc-en-ciel. It manifested the light of the rainbow. C'était l'absolu d'Israël. It was the absolute of Israel. Dieu dit ici par Moïse. God says here through Moses. Que l'Urim et le Thummim. That the Urim and the Thummim. Est donné à l'homme saint. It's given to the Holy One. Yes, sir. Dieu a donné ça à Lévi. God gave it to Levi. Confié à l'homme saint. Given unto a Holy One. Que tu as tenté en Massa avec ce que tu as contesté aux eaux de Meriba. Whom that disprove and Massa and which whom that disstrive in the water of Meriba. Et quand on le confie l'Urim Thummim, and when it's given to c'est him, à cause de la position. It's because of the position. Il avait pris dans les eaux de Meriba. That he took in the water of Meriba, il yes avait sir. Pris la position pour la parole. He took the position for the word. Qui peut dire un grand amen à ça? Who can say a big amen? Lévi dit, voilà. Lévi says, de son père, of his father, et de sa mère, and of his mother, je ne les ai point vus. I did not see them, amen. Lévi n'est pas quelqu'un qui doit respecter son père. Lévi is not someone who must respect his father. Papa a dit ceci. Daddy said this. Maman a dit ceci. Mother said this. Lévi, quand il a l'Urim et le Thummim. Lévi, when he has the Urim and the Thummim. C'est-à-dire la parole. It means the word. Lui ne connaît ni son père. He does not know the father. Ni sa mère. Neither the mother, yes sir. Lui ne connaît que la parole. He only knows the word. Même à l'église. Even at church. Si réellement Dieu te donne la parole. If really God gives you the word. La première preuve. The first proof. Toi que ce soit ton père. Whether it's your father. Ou ta mère. Or your mother. Ça ne te dit absolument. It means nothing to you. C'est la parole qui it's the word that leads your life. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Lévi dit, je ne connais ni mon père. Lévi said, I don't know my father. Ni ma mère. Neither my mother. C'est quoi les frères Zakola ne connaît ni son père ni that sa mère. That's why brother Zakola doesn't know the father or his mother. Moi, je ne connais que ce que la parole dit. I only know what the word says. Ça doit être aussi votre cas. It must also be your case. Il ne distingue point ses frères. He does not distinguish his brothers.
Je sais pourquoi j'insiste sur ces choses. I know why I'm emphasizing upon this. Un esprit est entré dans le message. A spirit is coming to the message. Parce que les gens attendent cette bande ici. Because people are hearing, waiting for this tape. Je vais me prononcer d'abord à Joburg. I say I'm first going to pronounce myself in Joburg. Au sujet de cela. About that. Si vous ici à l'église. You see a church. Si ce sont les enfants qui sont ici ont commis des erreurs. If the children who are here made mistakes. Nous les passer au monte à la chair. Then ask the pastor we come on the pulpit. On les tape. We strike them. On les frappe. We smash them. Mais si c'est nos propres. But enfants. If it's our own children, là, on ne dit rien. Then we say nothing. Mais William Branham, but William Branham, à qui le rime et le tumim whom the rime and the tumim was given, même quand Billy Paul, even fils, when Billy Paul, his son, a commis l'erreur, made mistake, Branham était le premier à venir. But Branham was the first to come to the pulpit. Oh, je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Même si c'était made even sa femme, if it was made at the wife, Branham était à la chair. Branham was on il the pulpit. Regarde ce que Meda he fait. Said, look what Meda did. Parce que Branham avait le rime et le tumim. Because Branham had the rime and the tumim. On ne peut pas protéger nos parents. We cannot protect our parents. Ou nos enfants, or our children, par des liens familiaux, by the family links, et laisser le rhume et le tumim, and forsake the rhume and the tumim. Non, mes frères. No, my brothers. Il ne connaît ni ses frères. He does not know his brothers. Il ne connaît point ses enfants. He does not know his children. Lévi ne connaît pas ses enfants. Lévi does not know his children. Lui ne connaît que la parole. He only knows the word. Merci Seigneur. Thank you Lord. Car il observe ta parole, voilà. Because he looks after your word. Lévi observait la parole. Lévi was watching the word. Il garde ton alliance. He keeps your covenant. Il enseigne les ordonnances de Jacob. He teaches the law of Jacob. Et la loi d'Israël. And the law of Israel. Donc, Lévi était un enseignant. Meaning Lévi was a teacher. Un enseignant de la parole. A teacher of the word. Il met de l'encens sous tes narines. He put the incense under your nostrils. Et l'holocauste sur ton autel. And the holocaust upon your altar. Quand on prêche la pure parole. When they preach the pure word. Frère Branham, c'est l'odeur, c'est une bonne odeur dans les narines de Dieu. Frère Branham says it's a good smell on the nostril of God. Il bénit sa force, ô Éternel. He said, "Bless his strength, O Lord." Agrée l'œuvre de ses mains. Accept the work of his hands. Brise les reins de ses adversaires. Break the loins of his enemy. Et que ses ennemis ne se lèvent plus. May his enemy never rise again. Quelqu'un qui a le rhume et le tumim. Someone who has the rhume and the tumim. Si vous le combattez, if you fight against Dieu va him, vous briser. God will break you apart. Et les ennemis ne peuvent pas se réveiller. And the enemy cannot stand up. Voici again. Voici un secret pour Amen Tabernacle. Behold the secret for Amen Tabernacle this à morning. À l'école quand tu es étudiant. At school when you are a student. Là où tu travailles. Where you work. Si tu veux prospérer. If you want to prosper. Garde le rhume et le tumim. Keep the Urim and the Tumim. Garde la parole. Keep the word. Utilise la parole. Use the word. Ne dis pas que ça c'est mon ami. Don't say this is my friend. Non, non, non. Il y a pas d'amitié dans le message. There's no friendship in the message. Je vais dire un grand amen à cela. Who can say a big amen? Notre amitié c'est autour de la parole. Our friendship is around the word. Quand tu abandonnes la parole, il y a plus d'amitié. When you forsake the word, there's no longer friendship. C'est ça la bénédiction que Dieu donna à Lévi. That the blessing that God gave to Levi. Et depuis ce jour-là, since that day, Lévi c'est la tribu consacrée à Dieu. Levi is the tribe that is consecrated unto God. On ne les citait pas comme une tribu. They did not just name them as a tribe. Lévi lui-même était la dîme de Dieu. Levi himself was the tithe of God. Dieu l'a pris comme sa part. God took him as his own part. Lévi représentait Dieu. Lévi represented God. Le représentant de Dieu. The representative of God. Dans la tribu d'Israël. In the tribe of Israel. C'était Lévi. It was Levi. C'est pourquoi les enfants là étaient des sacrificateurs. That's why those children were priests. Ils étaient les gens qui gardaient le rhume et le tumim. So people were keeping the rhume and the tumim. Et Dieu avait dit qu'ils ont une manière de s'habiller. And God said they have a way of dressing. Ils devaient laisser la barbe. They had to leave their beard. Et porter une sorte d'habillement. And wear some type of dressing. Selon le modèle que Dieu avait donné. According to the way that God gave. Et pour les consacrer, and to consecrate them, on prenait l'huile de l'onction. They took the oil of the anointing. Et on répandait ça sur la tête d'Aaron. They poured it upon the head of Aaron. Est-ce que vous me suivez ce matin? You say amen this morning. Parce que l'huile de l'onction c'est l'huile du service. Because the oil of ointment is the oil of service. C'est pourquoi la Bible dit il est bon doux et agréable pour des frères. That's why the Bible says it's good, meek and sweet for brothers. De demeurer ensemble. To dwell together. C'est comme l'huile d'Aaron. It's like the oil of Aaron. Ça descend d'abord à la tête. It first comes from the head. C'était l'onction suprême. It was the supreme anointing. Tout cela, on va voir ça, c'était pour l'avenir. All that you will see, it was for this coming.
Et ils gardaient les 10 lois. And they were keeping the 10 laws. Ils gardaient les commandements de Dieu. They were keeping the commandment of God. Comme nous avons les anniversaires ce matin. Like we have the birthday this morning. Ils avaient une loi de l'Ancien Testament. They had a law in the Old Testament. Quand un enfant de la tribu de Lévi. When a child of the tribe of Levi. Il travaillait dans le temple. He was working in the temple. De 0 à 29 ans. From 0 to 29 years. Quand il était 30 ans. When he reaches 30 years. Il devenait sacrificateur. He was becoming a priest. Et on l'amenait au temple. And brought him to the temple. On l'a habillé d'une manière. And they dressed him in a certain manner. Et on prenait l'huile, on le mettait sur lui. Took the oil to put upon him. Il devenait sacrificateur. He became a priest. Et il portait l'urim et le thummim. And he was wearing the urim and the thummim. Il représentait Dieu. He represented God. Cette sacrificature là. That priesthood. C'était le sacrificature selon l'ordre d'Aaron. It was the priesthood according to the order of Aaron. Et marqué dans cet ordre là d'Aaron. Notice in that order of Aaron. Le sacrificateur était de tribu. The priest was from the tribe. Une seule tribu devait prêcher la parole. Only one tribe had to preach the word. Pas d'autres tribus. No other tribe. Seulement la tribu de Lévi. Only the tribe of Levi. C'est eux les prédicateurs. They were the preachers. Et eux ne travaillent pas. And they do not work. Ils travaillent dans le temple. They work in the temple. Et tous les autres tribus partent travailler. And all the other tribes go to work. On leur amène les dîmes. They bring them the tithe. On leur paye le 10%. They pay the 10% unto them. Et ils mangeaient dans le temple. They were eating in the temple. Génération après génération. Generation after generation. C'était une tribu. It was a tribe. Une famille. A family. Et des individus. And individuals. Voyez-vous ce que cette sacrificature you see là that priesthood represented. Personne d'autre ne pouvait manipuler la parole. No one else could work with the word. Si Dieu veut susciter un sacrificateur, if God need to raise a priest, il doit être de cette tribu-là. He must be of that tribe. C'était du père au fils. It was from the father to the son. Si le père est sacrificateur, if the father is a priest, automatiquement son enfant est sacrificateur. Automatically the son is a priest. Même si tu es meilleur à l'église, even if you are the best in the toi, church, tu ne le deviendras jamais. You shall never become it. C'était une tribu choisie par Dieu. It was a tribe chosen by God. Et ça passait du père au fils. It was going from the father to the son. Père biologique, biological father, au fils biologique, to the biological sons. C'était leur tribu. It was their tribe. Et c'est eux qui faisaient l'expiation du and péché. They're the one who was doing the atonement of sin. Si quelqu'un a péché, if someone sinned, il ne pouvait pas s'expier lui-même. He could not atone himself. Mais il devait aller vers cette tribu. But he had to go towards that tribe. Et il amène son agneau. And he brings his lamb. Et lui-même ne peut pas tuer cet agneau-là. And himself cannot kill that lamb. C'est le Lévi qui tue l'agneau. It's the Levi that killed the lamb. Il tue l'agneau. He killed the lamb. Et il prend le sang. And he takes the blood. Il asperge les propitiatoires. He sprinkled the mercy seat. Parce qu'en ce temps-là, mes frères. Because in that time, my brother. Dieu leur avait dit de construire le tabernacle. God told them to build the tabernacle. Dans le désert. In the desert. Le tabernacle avait trois parvis. The tabernacle had three courts. Il y avait le parvis extérieur. There were the outside court. Le lieu saint. The holy place. Et le saint des saints. And the most holy. Dans le parvis extérieur. And in the outside court. Il était éclairé par la lumière naturelle. It was lightened by the natural light. C'est-à-dire le soleil éclairait le parvis. Meaning the sun was enlightening the outside court. Et il y avait une table ici où on tuait les agneaux. There was a table for killing the lamb. Et remarquez, il y avait plusieurs sortes de sacrificateurs. And notice there was many types of priests. Tous de la même tribu. All of the same tribe. Les autres travaillaient seulement ici à l'extérieur. Others were only working outside. Et ne peuvent pas pénétrer dans le lieu saint. They could not go into the holy place. Donc même dans ces sacrificatures là. Meaning even in that priesthood. Selon l'ordre d'Aaron. According to the order of Aaron. Il y avait des niveaux. There were levels. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Et quand on tue l'agneau. When they killed the lamb. Ils faisaient des sortes de prières. They were making types of prayer. On prenait un bouc à Azazel. They would take the scapegoat. On les chassait loin. They would chase him far. Et on prenait le sang de l'agneau. They took the blood of the lamb. Les autres sacrificateurs étaient ici. Ils entraient dans le lieu saint. Other priests were there. They go into the holy place. Le lieu saint était éclairé par la lumière du chandelier. The holy place was enlightened by the candlestick. Le chandelier comme the celui-ci. The candlestick like this one here. Les sept lumières. The seven lights. Qui s'allumait de la même lumière. That were coming out of the same light.
La première lumière allume la deuxième. The first light gets the second. La deuxième allume la troisième. The second goes for the third. Jusqu'au septième lumière. Until the seventh light. Et le chandelier était au nord. And the candlestick was in the north. Dans le lieu saint, le chandelier était mis au nord. In the holy place, the candlestick was put into et the north. Ici au sud. Here in the south. Ils avaient mis la manne. They had the manna. Quand lui regardez, les autres look, travaillaient ici. Others were working there. Mais il y avait le souverain sacrificateur. But there was the high priest. Lui qui était Aaron. He who was Aaron. C'est lui seul qui pénétrait le saint de saints. He is the only one who was going into the most holy. Et le saint de saints était séparé du lieu saint par les peaux de blaireau. And the most holy was separated from the holy place with the animal skin. C'était les peaux des animaux, mes amis. It was the animal skin it was. Et cela avait une mauvaise odeur. And that was, did not smell good. Et lui l'entrait là-bas. And he was going there. Il était oint. He was anointed. Et il marchait. And he was avec walking. Avec des clochettes. With bells. Qui sonnait saint. That was ringing holy, holy. Et yes, il marchait une fois and par année. And he was walking once a year. Et quand il entrait. And when he goes in. On le mettait un fil. They put a rope. Parce que. Because s'il meurt là-bas, if he dies there, personne ne peut aller lui no faire one faute. Could go and take him out. Et là-bas, and there, il y avait there was le propitiatoire, the mercy seat. Et le propitiatoire, and the mercy seat, on avait mis à l'intérieur, they put inside la manne, the manna. Et ce qu'on appelle là-bas, c'est la manne cachée. That which they called it the hidden manna. Et là-bas, and there, ce n'était pas éclairé, it was not enlightened, ni par la lumière naturelle, neither by the natural light, ni par la lumière du chandelier, neither by the light of the candlestick, mais c'était la lumière éternelle. But it was the eternal light, c'est-à-dire la colonne de meaning feu, meaning the pillar of fire. Il était sur le propitiatoire. He was on the mercy seat. Et regardez mes amis, and look my friend, cela empêchait cette manne. That was forbidding from that manner. De pourrir. To rot. La manne cachée ne pourrissait pas. The hidden manna was not rotting. À cause because de la présence of the presence de la lumière éternelle of the eternal light. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Je veux que même les sœurs comprennent. I want even the sister to understand. Et si vous êtes en train de rêver, because if you are dreaming, comme les gens qui rêvent, like people who are dreaming, alors ce serait malheureux. And then it shall be miserable. Parce que Branham a dit, because Branham says, l'amnésie spirituelle, in the spiritual amnesia, il dit que si un enfant est malade, he said, if a child is sick, ne l'amenez pas chez le médecin. Don't bring him to the doctor. Il y a un test que la maman doit faire. There's a test that the mother must do. Prenez un jouet. Take a toy. Commencez à faire ça comme start ça. Swinging the toy like si this. Vous voyez que l'enfant dort, if you see the baby start sleeping, à dormir, carry on sleeping, à dormir encore, sleeping and sleeping, là, il est malade. That means he's sick. Il faut l'amener chez un médecin. You must bring him to a doctor. Mais même s'il avait la grippe, but even if he had the cold, mais si vous prenez but le if you jouet, take the toy, vous mettez comme ça, and you put it like this, comme ça, and it goes, vous mettez comme you ça, do it like this, Brandon says, don't even take him to the doctor. L'enfant là est en bonne santé. The child is in good health. Il dit, c'est la même chose à l'église. He says the same thing in the church. Si vous voulez savoir un frère ou une sœur qui a rétrogradé, if you want to know a brother or sister who has backslided, ou il a des péchés dans sa vie, or he's got sins in his life, ou il a des soucis, or he's got worries, ou il est troublé, or he's troubled, venez à l'église, come to church, et le pasteur, and the pastor, va agiter ses lèvres, will shake only les promesses, the promises. Il va agiter, he will swing it like les this, enseignements, the teachings. Il va agiter, he will shake les prédications, the sermons. Quand vous voyez, il est là, il dort. When you see they're sleeping, il dort. He's sleeping. Touchez-lui à côté de toi. Touch him next to you. Dites-lui que sœur, tell him sister, tu es malade spirituellement, or he's spiritually sick. That's why others cannot understand what I'm saying. But when you do it like this, l'autre même s'il n'avait pas payé le loyer, another one, even if he did not pay the rent, il est célibataire, even if he's single, ou il n'a pas d'argent, or he doesn't have money, il n'a pas de voiture, he doesn't have cars, on pensait qu'il est malade, we thought he was sick. Mais à l'église, but in the church, quand on ajoute les when promesses, we do this, lui n'a jamais été malade. He has never been sick. Amen. Yes, sir. Parce que dans le saint des saints, because in the most holy, c'était la manne cachée. It was the hidden manna. La gloire de la Shekinah. The glory of Shekinah. Cette colonne de feu. That pillar of fire. Gardez cette manne. Was keeping that manna.
pour que cela ne pourrisse jamais. That it may not rot. Et quand le souverain sacrificateur, and when the high priest, entre dans le Saint des Saints, into the most holy, il asperge le propitiatoire, he sprinkles the mercy seat, pas 8 fois, not 8 times, pas 6 fois, not 6 times, 7 fois, 7 times. Et quand il est agréé, and when he's accepted, il mangeait la manne, he was eating the manna, manne cachée, the hidden manna, et il commence à sortir, and he started coming out. Quand il sort, when he comes out, il y a un autre ici. There is another one there. Lui l'attend. He waits for him. Quand il le voit sortir, when he sees him coming out, l'autre là sonne la trompette. The other one sounds the trumpet. Quand il sonnait la trompette, when he was sounding the trumpet, c'était la trompette de Yom Kippour. It was the trumpet of Yom Kippour. La trompette du grand pardon. The trumpet of the great forgiveness. Cela était la preuve. That was the proof. Que le péché était pardonné. That the sins were forgiven. Amen. Amen. S'il ne sort pas, if it does not come out, mille agneaux qui étaient tués, even 1,000 lambs who were les killed, péchés ne sont pas toujours pardonnés. The sins are still not forgiven. Yes, sir. Sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Behold the priesthood according to the order of Aaron. C'est comme ça qu'il faisait. It's like that how they were doing it. Et tout cela était un type. And all that was a type. Et c'était seulement une seule tribu. It was only one tribe. Vous trouvez seulement eux. You find only them. Je donne un exemple. I give an example here. Si c'était les Baluba, if it was the Baluba, père, un Mongala ne peut pas entrer ici. A Mongala cannot go in there. Ni un Mushwaili. Neither a Mushwaili. Tous dehors. All of you outside. Dieu donne ça au Baluba. God gives it to Baluba. Et les Lévites. And the Levites. Et les sacrificateurs. And the priests. Et les souverains. And the high priest. Tous. All of them. Doit être du même tribu. They must be of the same tribe. Qui peut dire amen? Who can say amen? Même famille, of the same family, c'est eux seuls. It's only them. C'est eux. It's them. Si ne veut pas pardonner tes péchés, if they don't want to forgive your sin, il ne veut pas. They don't want. C'est eux que Dieu a donné l'urim et le tumim. It's them that God gave the urim and the tumim. Et c'est le souverain qui portait ça. And it's the priest, the high priest that was wearing it. Et il marchait avec ça. And they're walking with it. Oh, Eddie a le ministère. Eddie has a ministry. Dieu m'a parlé. God spoke to me. No, don't say that. On prend le frère Eddie. Come, we take the brother Eddie. Allons chez le souverain. Step by step to the high priest. Et il est là. He is there seated. Dieu m'a dit la nuit. God told me voilà, that je vais prêcher le I message. Can preach the message. Ça, I'll do this. Ça. I'll do that. On attend. We wait. Si les lumières, if the light jaillissent pas, don't come on. Ça, c'est un démon. This is a demon here. Il est venu nous tromper. He came to deceive us. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Mais si la lumière jaillit, but if the light enlightens, ça dit c'est Dieu qui a parlé. Meaning it's God who spoke. Et c'était une seule tribu. And it was one tribe. Et ils gardaient les lois de Moïse. They were keeping the law of Moses. C'est eux qui prêchaient les lois. They were preaching the laws. Les souverains sacrificateurs. The high priest. Remarquez qu'ils faisaient ça chaque année. Notice they were doing it each year. Et ils prêchaient la loi de Moïse. Preaching the law of Moses. Ils prêchaient ça chaque année. Preaching it each year. Est-ce que vous me suivez ici? Are you following me? C'était here? Du père au fils. It was from the father to the son. Si c'est ma tribu à moi. If it's my tribe. Joseph est là. Joseph tout is le monde here. Sont là. Everyone tout le monde here. Sont là. Everyone are there. Moi et ma famille. Me and my family. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. That was taking place in the Old Testament. Mais Dieu a vu que c'était des va-et-vient. But God said it was nothing but going and coming back. Dieu avait vu que cette sacrificature là. God saw that that priesthood ne pardonnait même pas le péché. Was not even forgiving sins. Mais ça couvrait seulement le péché. But it was only covering sins. Parce que cela se faisait par le sang des boucs et des taureaux. Because it was taking place by the blood of goats and rams. Ce qui ne pouvait pas pardonner le péché. That which could not forgive sins. C'était un sang animal. It was an animal blood. Et c'était par des lois. And it was by the laws. Ne fais pas ça, ne fais pas cela. Don't do this, don't do that. Et le sang des boucs et des taureaux. Blood of goats and rams. Ne pouvait pas pardonner le péché. Could not forgive sins. Parce que vous voyez mes amis. Because you see my friends. L'animal n'a pas d'âme. The animal does not have a soul. Il n'y a aucune vie qui peut revenir à l'homme. There's no life that can come back to a man. Dieu voulait changer cette. God wanted to change that priesthood. Parce qu'en réalité, ce n'était même pas l'expiation. Because in reality, it was not even the atonement. Mais ça couvrait seulement le péché. It was only covering the sins of the people. Je vais entendre un amen là-dessus. I want to hear an amen up on that. Alors Dieu dans sa pensée. So God in his thought. Il voulait un sacrificateur perpétuel.
perpétuel. He wanted a priesthood that can last forever. Un sacrificateur qui va durer pour du bon. A priesthood that can live forevermore. Et avant cela, before that, Dieu le préfigurait. God showed it in the picture. Notre père Abraham. In our father Abraham. Il dit Abraham. He said Abraham. Dans Genèse 12. In Genesis 12. Sors de ton pays. Come out of your country, your land. Sors de ta coutume. Come out of your kindred. Et sors de ta famille. And come out of your family. Trois choses. Three things. Il faut sortir de l'esprit de ton pays. You must come out of the spirit of your country. Parce que chaque nation a un esprit. Each nation has a spirit. Il faut sortir de l'esprit de ta tribu. You must come out of the spirit of your culture. Parce que chaque tribu a des esprits. Because this culture has a spirit. Et sortir de l'esprit de la famille. You must come out of the spirit of family. Il dit Abraham, va dans le pays que je te montrerai. He said, Abraham, go into the land that I shall show you. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Are you following me? My brothers, a land that I myself will show you. Et quand tu arriveras là-bas, when you get there, il y a sept bénédictions. There are seven blessings. Je te bénirai. I shall bless you. Qui peut dire un grand amen? Who can say je big amen? Bénirai ceux qui te béniront. I'll bless those who bless you. Je maudirai ceux qui te maudiront. I'll curse those who curse you. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. All the nations of the earth will be blessed in you. Je rendrai ton nom gros. I'll make your name great. Tu seras une source de bénédiction. You shall be a source of blessing. Gloire à Dieu. Glory to God. Et Abraham était content. And Abraham was happy. Et il a quitté son pays. And he left his land. Il est parti à Canaan. He went to Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, when he got there in Canaan, il cherchait cette cité-là. He seeked that city. Cette cité-là. That city. Que l'architecte. That the architect. Et le constructeur. And the builder. C'est Dieu lui-même. Is God himself. Abraham cherchait cette ville. Abraham was seeking for that city. Et il est arrivé là-bas. And he got there. Et il a vécu avec Sarah. And he lived with Sarah. Et Dieu leur dit. And God tells them. Je te donnerai une semence. I shall give you a seed. Et ta semence. And your seed, yes sir. Posséderont les portes de l'ennemi. Possess the gates of the enemy. Et le monde entier and the entire world sera béni par ta shall postérité. Be blessed by your offspring. Abraham, a vécu. Abraham lived 25, ans après, 25 years il later. A vu que son corps he saw that his body commençait à faillir. Was starting to fail. La vieillesse continuait. The old age was keep on coming. Et il voyait la mort s'installer. And he saw death was coming in. Parce que la mort s'installe à because 25 death ans. Comes in at 25 years. Et Abraham ne comprenait and Abraham could not understand. Jusqu'à ce qu'il avait amené son neveu. Until he brought his nephew. Son neveu, c'était Lot. His nephew was Lot. Voyez-vous, l'appel ici, c'est individuel. You see here, the calling is individual. Mais Abraham a amené quelqu'un que Dieu n'a pas appelé. But Abraham brought someone that God did not call. Et cela avait des problèmes tous and les that jours. Had trouble every day. Les gens se battaient tous les jours. There are men who fighting all Lot the time. Lot pensait que lui aussi connaît la parole. Lot thought he also knows the word. Et Abraham a dit qu'on doit se séparer. And Abraham said we must separate. Il faut la séparation avec l'incrédulité. You need separation with unbelief. Quand vous croyez ce message, when you believe this message, vous devez vous séparer avec l'incrédulité. You must separate yourself with unbelief. Tu ne peux pas être dans le message. You cannot be in the message. Tu as les mêmes amis. You've got the same friends. Païen. Pagan friends. No. No. Tu dois soit te les convertir. You must either you convert them. Soit c'est eux qui vont te convertir. Or they will change you. Yes, sir. Je vais attendre un amen. I want to hear an amen. Comment les sœurs, how come the sisters et les frères, and the brothers, depuis que Dieu t'a appelé, since God called you, comme étant la semence d'Abraham, as being the seed of Abraham, les mêmes amis de the same friend, qu'est-ce que vous communiez avec? What do you commune with ils them? Boivent, ils fument. They drink, they smoke. Alors qu'est-ce que vous communiez avec? So what do you commune with them? Ils se sont séparés. They separated. Et Lot est parti à l'est. And Lot went to the east. Abraham dit il est parti à Sodom. But Abraham said he went to Sodom. Parce que c'était une ville prospère. Because it was a prosperous city. Suivez-moi bien, le business follow me carefully. The business was working there. On a dit à Lot que le business marche. They say Lot, there the business works. Lot a choisi là où le business Lot marche. Lot chose where the business are going well. Mais Abraham est resté dans les chaînes de Mamré. But Abraham remained under the tree of Mamré. Dieu l'avait dit qu'il restera à Mamré. God told him he shall remain in Mamré. Dans les montagnes de Mamré. In the mountain of Mamré. Mais Lot est parti là-bas. But Lot went there where everything was prospering. Abraham dit beaucoup les gens pensent que la prospérité. But Abraham said many people think that prosperity. C'est un signe que Dieu est avec it's nous. It's a sign that God is with non, us. Non, mon frère. No, my brother. Vous devez rester dans les chaînes de Mamré. You must remain under the tree of Mamré. Et là-bas, Lot est devenu gouverneur. And there, Lot became a governor. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham. It's not me who's saying, but Abraham said. Il dit Lot était devenu gouverneur. He said Lot became a governor. Il commençait à faire la politique. He started doing politics. Regardez beaucoup de Lot dans les messages. Look, many Lots in the message. Beaucoup de frères même au Congo. Many brothers even in the Congo. Restons dans les chaînes de Mamré. Let us remain in Mamré.
Mais quand on leur dit que c'est la politique qui paye, when they tell you politics got money there, c'est quand tu fais la politique. It's when you're doing politics. Tu deviens, you, quand tu deviens parlementaire, when you become part of the parliament, c'est un salaire de $6,000. You get a salary of $6,000. Avec un jeep, with a car. Le frère est parti prospérer. The brother went to prosper. Comme un pasteur, il a prié pour sa brebis. Like a pastor prayed for a sheep. Il est devenu général. He became a general. Kabila l'a nommé général. Kabila even named him general. Et on l'amène une telle personne ici dans l'église. And they bring him someone like that here in the church. Dieu nous a élevé. They say God has raised us. Prions pour lui. Let us pray for him. Que l'onction de Dieu l'accompagne. May the anointing of God go with him. Mon ami pasteur. My friend pastor. Qui que vous soyez. Whoever you are. L'onction de Dieu ne peut pas l'accompagner. The anointing of God. D'abord lui-même s'appelle déjà l'esprit de mort. In fact, himself is calling himself the spirit of death. Comment l'esprit de Dieu peut l'accompagner? How can the spirit of God go with him? Voyez les élévations que les gens pensent. You see the raising that people think. Quand il devient général, when he becomes a general, God raised Amen Tabernacle. Non, mon ami. No, my friend. Dieu te lève dans le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. God raises you up in the priesthood according to the order of Melchizedek. Nous ne sommes pas de ce royaume de la terre. We are not of this kingdom of the earth. Les gens ne comprennent pas ici. People don't understand here. Depuis 63. Since 63, un autre royaume est déjà another kingdom has already come. Un autre royaume. Another kingdom. Qui est différent. Which is different. C'est pourquoi ici dans mon église, that's why here in my je church, ne crois pas à I don't believe in a sheep who is doing politics. Ici on ne fera pas la here politique. Will never do politics. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Même si ici, even if here, ça devient désert. It become a desert. On dit que les politiciens prospèrent. They say the politicians are going forward. Nous sommes Abraham. We are Abraham. Nous resterons dans les chefs we de Mamre. We shall remain in Mamre. Je vais entendre les sœurs dire. I want to hear the sisters say amen. Et regardez pourquoi je dis des sœurs. And look what I'm saying, sisters. Frère Branham dit que. Branham says that. Quand ils sont restés les chefs de Mamre. When they remain on the street of Mamre. La famine. Famine. Le désert. Desert. Rien ne prospérait. Nothing was going forward. Et la femme d'Abraham. And the wife of Abraham. Il dit que chérie. He say, honey. Regarde Lot. Look at Lot. Branham dit sa femme commence à porter les super wax. Branham say his wife is wearing nice clothes mais now. Mais moi je suis toujours avec des longues robes. But ici. Me, I'm only wearing these long dresses. Allons là-bas. Let us go there. Abraham dit non. Abraham says no. Nous nous restons ici. We remain here. La prospérité. Prosperity. N'est pas le signe de Dieu. Is not the sign of God. J'entends les sœurs dire amen. I hear the sisters say amen. Combien ici voyage? How many years travel? Je vais aller à Paris. I want to go to Paris. Je vais aller à Canada. I want to go to je Canada. Aller ceci. I want to go here. Là-bas. I want to go je there. Là-bas. I want to go there. Est-ce que là où tu vas? Where you are même going? Si tu as eu l'argent. Even if you had money. Est-ce que c'est ça Mamre? Is that Mamre? Je vais habiter là-bas. I want to live there. Branham dit reste là où tu es béni. Branham say remain where you are blessed. Quand il dit béni c'est quoi? When he say blessed what c'est is it? C'est là où tu as eu l'argent. Is where you get money. Reste là où tu es béni spirituellement. Remain where you are blessed spiritually. J'entends les frères dire un grand amen. I hear the brother say big amen. Même les gens quittent les églises, non? Even people leave churches. Il dit là-bas on a dit que ça prospère. Say, they say there it's prospering. Petite prière, tu as déjà une voiture. Just a little prayer, you already got a car. Mais va chez Chibi Joshua, mon frère. But go to Chibi Joshua. Va chez Chris Oyakilobis. Go to Chris there. Ici c'est pas la prospérité du corps. Here is not prosperity of the body. Ici nous prêchons la prospérité de l'âme. Here we preach the prosperity of the soul. Et remarquez qu'Abraham. And notice that Abraham. Il est resté là-bas. He remained there. Abraham dit il cherchait cette ville. But Abraham said he was looking for that city. J'aime cela. Oh my, I love that. Comme le désir de son cœur. Like the desire of his heart. C'était cette cité-là. It was that city. Dieu a dit Abraham. God told Abraham. C'est ça la cité. That's the city. Mais Abraham a remarqué que but non. But Abraham noticed something. C'est pas possible. It's not possible. Un jour, one day, on lui dit que Lot a été attrapé. They told him that Lot was captured par le roi, by the king. On a fait de Lot prisonnier. They made of Lot a prisoner. On l'a amené captif. They took him into captivity. Lot est prisonnier. Lot is a prisoner. Lot le rétrograde. Lot the backslider. Le frère qui nous a créé beaucoup de problèmes. The brother who caused lot of problems lui, Lot, us. On l'a capturé him, par des Lot, démons. He got captured. By Abraham the king. N'avait pas d'armée. Abraham did not have an army. La Bible dit dans Genèse 14. The Bible says in Genesis 14. Abraham rassembla ses serviteurs. Abraham gathered his servants.
Ses serviteurs. His servants. Ils étaient au nombre de 318. They were in the number of 318. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Parce que la mathématique de Dieu est parfaite. Because the mathematics of God is perfect. Ils n'étaient pas les gens manifestés à la guerre. They were not people that are manifested into the wars. Mais ils étaient trop à la perfection. But they were ready into perfection. Oui, de l'éternité et ils étaient unis avec Dieu. Eight, the eternity one, they were united with God. Abraham a dit, allons combattre pour notre frère. Abraham said, let us go and fast for our brother. Frère Branham dit, Abraham allait pour racheter son frère. Abraham was going to redeem his brother. Il allait chercher les rétrogrades. Abraham said he was going to look for the backslider. Et la semence d'Abraham fera la même chose comme Abraham. And the seed of Abraham will do the same thing like Abraham. Voici la preuve qu'Abraham était une semence. Behold the proof that Abraham was a seed. Il va à la recherche des âmes perdues. He go to seek the lost souls. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Sœur, frère, 20 ans dans le message. Brother, 20 years tu in the message. You are here sitting in the church. Tu n'es jamais allé chercher un rétrograde. You have never went to seek for a backslider. Je suis pas un prédicateur. You say I'm not a preacher. Je ne suis pas entraîné. I'm not trained. Abraham et les gens n'étaient pas entraînés. Abraham, those people were not trained. Il les a pris. He took them. Ils sont partis. They went. Ils ont combattu. They fought. C'était un combat. It was a battle. Et Branham prêche and le combat. Branham preaches the battle. Il a gagné. He won. Il a libéré son frère. And he set free his brother. Son frère rétrograde. His backslided brother. Frère Branham dit si dans ta vie spirituelle. Frère Branham say if in your spiritual life. Tu n'as jamais libéré un rétrograde. You have never set free a backslider. Tu n'es pas la semence d'Abraham. You are not the seed of Abraham. Je vais entendre quelqu'un dire amen. On a hier un amen. Oh amen tabernacle. Oh amen tabernacle. Combien de rétrogrades tu as gagné? How many backsliders have you brought back? Combien de frères captifs tu les as ramenés à la parole? How many brothers who are captive you have brought them back into the word? Abraham a tout laissé, il est parti combattre. Abraham forsook everything, he went to fight. Il a combattu les 10 rois. He fought the 10 kings. Il les a gagnés. He beat them. Et remarquez que quand il les a gagnés. And notice when he beat them. Parce que remarquez que la victoire c'est combattre les 10 rois. Notice that the victory is to fight the 10 kings. Qui peut dire amen? Who can say amen? 10 rois. 10 kings. Et Abraham les a battus. And Abraham beat them. Il a gagné la bataille. He won the battle. Et quand il revenait. And when he was returning. Il a gagné 10 rois. He won against the 10 kings. Amen. Yes, sir. Il les a vaincus. And he overcame them. Quand il revenait, when he was returning, la Bible dit the Bible says that Abraham a rencontré notre Abraham roi. Met another king. Lisons cela un peu dans Genèse 14. Let us read it in Genesis 14. Après qu'Abraham, le verset 17. Genesis 14, verse 17. Fut revenu vainqueur de Kélodomère et des rois qui étaient avec lui. After Abraham came back as an overcomer against the king who came against him, le roi de Sodome est sorti à la rencontre de la vallée de Chavet qui était la vallée du roi. The king of Sodom came out in the valley of Chavet, which was the valley of the king. Melchizedek, roi de Salem, Melchizedek, king of peace, fit apporter du pain et du vin. He brought bread and wine. Il était sacrificateur du Dieu très haut. He was the priest of the Most High God. Il bénit Abraham. He blessed Abraham. Il bénit soit Abraham. He said, blessed be Abraham. Par le Dieu très haut. By the Most High God. Maître du ciel et de la terre. The being of the heaven and the earth. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains, Abraham. Blessed be the Most High God who surrendered the enemy into Abraham your hands. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham gave him the tithe of all. Je vais entendre quelqu'un dire amen. I want to hear someone say amen. Quand il a vaincu when le roi, he overcame the king, il revenait de he la victoire, was returning from victory. Il était vainqueur, he was an overcomer. Il rencontre un roi. He meets a king. Le roi là s'appelait Melchizedek. That king was called Melchizedek. Il était le roi de justice. He was the king of justice. Et le roi de Salem. And the king of peace. Il bénit Abraham. He blessed Abraham. C'est le supérieur qui peut bénir l'inférieur. He's the superior who can bless the inferior. Abraham était déjà le père de la foi. Abraham was already the father of faith. Mais qui peut encore le bénir? But who can bless him again? Il bénit Abraham. He blessed Abraham. Et il a pris le pain. And he took the bread. Il donna à Abraham. He gave to Abraham. Et il donna le vin. He gave him the wine. Et Abraham lui paya la dîme de tout. And Abraham paid unto him the tithe of all. Frère Branham dit voilà le type des enfants d'Abraham. But Abraham said, behold the type of the children of Abraham. Lisons quelque chose ici. Let's read something here. Dans la prédication fidèle Abraham.
In the sermon Faithful Abraham. Quotation 66. Listen to what Brother Branham says. Observe quand il est revenu. Watch when he came back. Ils ont eu un très grand jubilé. They had a big jubilee. Le moment du retour. The time of the returning. Il y avait tous les rois autour de lui pour remercier Abraham. There were all the king around him to thank Abraham. Puis ils sont rencontrés un autre roi. And then they met another king. Melchizedek. Il était le roi de Salem. They were the king of peace, he was. Qui était Jérusalem. That was Jerusalem. Le roi de paix. The king of peace. Le roi de justice. The king of righteousness. Mais qui était ce grand roi? But who was that great king? Je désire poser une question. I want to ask one question. Qui était ce grand roi? Who was that great king? Il n'avait pas de père. He did not have a father. Il n'avait jamais eu de mère. He never had a mother. Il n'avait jamais eu de commencement he de never jour. Had a beginning of days. Ni la fin de vie. Neither end of life. Mais qui était ce roi? But who was that king? Qui rencontra Abraham. That met Abraham. Revenant de la défaite des rois. Coming back from the defeat of the kings. Et vous qui ne croyez pas au paiement de la dîme. You who don't believe in paying of the tithe. Regardez ceci. Look at this. Voilà ce qui concerne Amen Tabernacle. Behold what concerns Amen Tabernacle. C'est merveilleux de se réjouir. It's wonderful to rejoice. Vous qui venez ici année après année, you mois après come here mois. Year after year, month after tu month. Tu ne payes jamais la dîme. You never pay tithe. Les administrateurs n'ont jamais vu ta dîme. The trustees have never seen your tithe. Est-il la semence de Lot ou de Abraham? Are you the seed of Lot or Abraham? Tu peux se réjouir de la parole. You can rejoice of the word. C'est rien. It's nothing. Dieu est identifié par ses caractéristiques. God is identified by his characteristics. Et vous qui ne croyez pas de payer la dîme. You who don't believe in paying tithe. Ils sont ici fous à l'église. They are full here in the church. Les étudiants qui ne payent pas la dîme. The students who don't pay tithe. Les travailleurs qui ne payent pas la the dîme. The workers who don't pay tithe. Les sœurs qui ne payent pas la dîme. The sisters who don't pay tithe. Vous qui ne payez pas la dîme, amen. You who don't pay tithe, to amen. La prêtrise lévitique payait les dîmes. Leviticus were paying tithe. Et la Bible dit que Lévi payait la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. And the Bible said Levi paid the tithe when he was in the loins of Abraham. C'était son arrière-arrière grand-parent. It was great-great-grandfather. Quand Lévi était dans les reins d'Abraham. When Levi was in the loins of Abraham. Lorsqu'Abraham payait la dîme à Melchizedek. When Abraham paid the tithe to Melchizedek. Regardez même Lévi la selon l'ordre d'Aaron. Look even Levi according to the order of Aaron. Déjà avant qu'il soit né. Already before he was born. C'est lui dans les reins d'Abraham. In the loins of Abraham. Qui payait la dîme. He paid the tithe. À Melchizedek. To Melchizedek. Il y a des frères quand il a du boulot, il ne paye pas la dîme. Their brother when he has a job, doesn't pay the tithe. On doit l'appeler pour payer la dîme. We must call him to pay the tithe. On doit le rappeler pour payer la we dîme. We must remind them to pay the tithe. Tu vas voir aujourd'hui que toi tu es perdu. You will see today that you are lost. Même si tu cries amen aux sept sceaux. Even if you shout amen to the seven seals. Toi tu es un homme perdu. You are a lost man. Tu n'as pas de victoire. You don't have victory. Parce que quand Abraham était because victorieux, when Abraham was victorious, il raconte le roi, he meets the king. L'acte qu'Abraham a fait, the act that Abraham did, c'est de payer la dîme. Is to pay the tithe. Ceux qui ne payent pas la dîme sont déjà vaincus. Those who don't pay the tithe, they're already overcome. Comment deviez-vous vivre, vous les gens? How should you people live? Qui peut dire amen à cela? Who can say amen to that? Let us read something here again. Question and answer 1964. Listen to Brabham. Une personne devait être payée la dîme à un individu. So the man, someone pay a tithe to the individuals. Est-ce qu'un chrétien devrait travailler? Should a Christian work? Certainement qu'il devait travailler. Certainly, yes, they must work. Si on a quelqu'un qui travaille, c'est bien le chrétien. If there's someone who must work, is a Christian. Dit amen. Say amen. Il y a des frères paresseux ici. There are lazy brothers here. Lazy, they do nothing. Ils ne travaillent pas. They don't work. Il a 40 ans, il attend l'argent de papa. 40 years he's waiting for money from the father. No. Un chrétien doit travailler. A Christian must work. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Vous devez travailler. You must work. Les gens ne travaillent pas, ils viennent à l'église. On doit mettre le carburant. Don't work, they come to church. On doit payer le transport. You must pay the transport. No. Tu dois travailler. You must work. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. The one who does not work does not eat. Un chrétien doit travailler. A Christian must work. Payer la dîme à un individu.
paying tax to an individual. Cela dépend de quel individu il s'agit. That depends on which individual it's dans about. Hébreux chapitre 7, in Hebrews chapter 7, la première fois qu'il nous a parlé de la dîme, the first time he's spoken about the tithe, attendez, mais je crois deux questions pour Fred. I believe two questions for the brother. Il dit dans le septième chapitre des Hébreux, he said in the seventh chapter of Hebrews, Abraham, when Abraham, revenant de la défaite des rois, came back from the defeat of the king, rencontrant Melchizedek, met Melchizedek, il lui paya la dîme, he paid the tithe. C'était Melchizedek. It was Melchizedek qui était le roi de Salem. That was the king of Salem. C'est-à-dire roi de paix. Meaning king of peace. Et roi de justice. A king of righteousness. Lequel n'était autre in whom it was no one même. Else but God himself. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? C'était Dieu lui-même. It was God himself. Mais lorsque vous payez la dîme, but when you pay the tithe, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, in fact, the place where you must pay the tithe, c'est celui où vous recevez votre nourriture. It's where you receive your food. Apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor. Bring all your tithe in the treasure house. Dit le Seigneur, says the Lord, éprouvez-moi par ces moyens, dit Dieu. Test me by that way, si says God. Je ne vous ouvre pas les éclipses des cieux, if I don't open the windows of heaven, ne versez pas sur vous la bénédiction, and don't pour upon you the blessing, jusqu'à ce que vous n'ayez plus assez de place pour la recevoir. Until you don't have any place to receive it. Écoutez maintenant Branham. Listen now to Branham. J'encourage vivement tout homme. I encourage strongly all men ou toute femme or each woman qui ne paye pas la dîme that does not pay the tithe à accepter cela. To accept that. Combien ont accepté ça? How many accepted that? Branham dit que si vous ne le payez pas, Branham said, if you don't pay, les sœurs qui ne payent pas la dîme, sister who don't pay tithe, ou les frères ici que je connais qui ne payent pas la dîme, who are not, they don't pay tithe. L'homme de Dieu dit, the man of God il say, vous encourage, he encourage you de payer la dîme, to pay tithe. Un étudiant doit payer la dîme. A student must pay tithe. Une femme mariée doit payer la dîme. A married woman must pay tithe. Branham appelle ça la dîme de la ménagère. Branham say the tithe of the housekeeper. Chaque membre doit payer la dîme. But each member must pay the tithe. Et la dîme, ce n'est pas l'argent que toi tu donnes à Dieu. Tithe is not the money that you give to God. La dîme, c'est son argent à lui. Tithe is his own money. Ce que toi tu donnes à Dieu, c'est ton offrande. That which you give to God is your offering. Écoutez, frère Branham. Listen to my brother. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin. I can stand here until the morning. Et vous raconter simplement ce qui arriva quand j'ai vu cela. And tell you exactly what happened when I saw that. Dans quelle situation j'étais alors? In which situation I was? Mais j'ai payé ma dîme. But I was paying my tithe. Aussi loyalement que possible. As faithfully as possible. Réveillez-vous, suivez-moi ici. Wake up and follow me. On ne paye pas la dîme quand la situation est bonne. We don't pay the tithe when everything is well. Branham dit, peu importe la situation say, no lui matter the situation that he was going il through, payait d'abord. He was firstly paying la dîme. The tithe. Dit amen. Say amen. Mais j'ai payé ma dîme. But I was paying my tithe. Aussi loyalement que possible. As faithfully as possible. Lorsque je prenais de l'église ou mes campagnes, l'argent que je revenais, je prenais puis je donnais le dixième. When I was going to my church or my campaign, the money that I was taking, I was paying the tenth. Oui, messieurs. Yes, sir. Alors rapidement. Je crois au paiement de la dîme. I believe in the paying of the tithe. C'est une bénédiction de Dieu. It's a blessing of God. Qui a été prouvé. That was tested. C'est aussi dans l'Ancien Testament. It's also in the Old Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Also in the New Testament. Hébreux chapitre 7. Hebrews chapter 7. Pourquoi un homme prendrait-il le dîme s'il avait quelqu'un, s'il n'était jamais né et qu'il ne mourrait jamais? Why someone would take the tithe if he was never born or he shall never die? Ce roi ici n'a jamais eu de commencement ni fin. This king never had a beginning or end. Mais pourquoi il va prendre la dîme? Why must he take the tithe? Lui d'abord ne mange pas la dîme. In fact, he doesn't eat the tithe. Il n'est pas un homme de la terre. He's not a man of the earth. Pourquoi il accepte la dîme? Why was he accepting the tithe? Fabanambi. Qui était depuis le commencement jusqu'à la fin? My man said, who was from the beginning to the end? Qui n'avait jamais ni père ni mère? Who never had a father or mother? Melchizedek. Melchizedek. Ni généalogie. No genealogy. Il possédait tous les cieux et toute la terre. He possessed all the heaven and all the earth. Tout ce qu'il renferme. All that goes around him. Pourquoi prendrait-il la dîme? Why should he have the tithe? Ce n'était pas un homme qui était dans les besoins. It was not a man who needed it. Le ciel, la terre l'appartenait. Heaven and the earth belonged to him. Il avait ni commencement ni fin. He did not have a beginning mais and end. Pourquoi il va prendre la but why shall he have take the tithe? Pourquoi demanderait-il à Abraham de lui payer les dîmes? Why should he ask Abraham to pay the tithe unto him? Vous voyez? You see? Quelle chose strict? What a strict thing? Que de payer les dîmes? Than to pay the tithe.
La dîme, tithe, c'est quelque chose de strict. Is something serious. La dîme est une chose juste. Tithe is the right thing. Tout chrétien est lié par le devoir de payer la dîme. All Christian is bound by the duty to pay tithe. Payez votre dîme. Pay your tithe. Si Dieu ne vous bénit pas, if God does not bless you, payez la dîme. Pay tithe. Combien peut dire amen à cela? How many can say amen to that? Combien peut dire amen? How many can say amen? Et dites un amen pour vivre ça. And say amen to live it. Il y a des frères ici qui se réjouissent quand je prêche. There are brothers here who rejoice when I preach. Ils ne payent pas la dîme. They don't pay tithe. Ce sont des païens. They are pagans. Ils se réjouissent au niveau du corps. They rejoice in the level of the body. Leur âme n'ont jamais rencontré Melchizedek. Their souls have never met Melchizedek. Dieu ne les connaît pas. God does not know them. Parce que because les gens pensent que la dîme est facultatif. People think that the tithe is something that you can do, it's just a normal thing. C'est circonstanciel. It by circumstances. Non. No. Je peux payer ou je ne peux pas. I can pay or maybe I cannot. Quand mes enfants sont malades, je ne paye. When my children are sick, I don't pay. Et Dieu comprendra mes enfants. And God shall understand my children are sick. Non. No. God misunderstood. Can a Christian go to heaven if he does not pay the tithe? Je ne pourrais pas répondre par oui ou non. I cannot answer by yes or mais no. Je crois réellement que tout chrétien, but I believe all Christians est tenu de payer ses dîmes, must pay their tithe. Car c'est un commandement du Seigneur. Because it's a commandment of the Lord. Et la Bible dit, heureux tous ceux qui gardent les commandements. The Bible says, blessed are those who keep the commandments. Afin d'avoir le droit d'entrer dans l'arbre de vie. That they may have the right to go into the tree of life. Frère Branham a répondu là-dessus. But Branham answered upon that. C'est un langage prophétique. It was a prophetic language. Personne ne peut entrer au ciel. No one can go to heaven. S'il ne mange pas l'arbre. If it does not eat the tree of life, quand toi tu ne payes pas la dîme, when you don't pay the tithe, c'est un commandement du Seigneur, it's a commandment of the Lord. Toi, l'arbre dit, il n'a rien à faire avec toi. The tree of life got nothing to do with you. J'aborderai cela avec une autre question. I shall speak about it with another question. Très bien, c'est exact, payer la dîme. Well, it's exact to pay the tithe. Sans doute, voici un défi. Without any doubt, behold the challenge. Pour n'importe quel individu. For whoever is si individual. Si seulement j'avais le if temps. If only I had time. Je devais prendre ce petit passage biblique que je désire aborder dans 10 minutes. I could take this little biblical scripture that I want to speak about now. J'aimerais vous donner mon témoignage. I want to give you my testimony upon that. Et vous dire lorsque tell you where I was hungry. My mother and everyone around me were hungry. My father was sick. I was firstly taking out my tithe to give it to God. Amen. C'est pas que ma femme était malade. It's not my wife was sick. C'est moi, j'ai mangé ma dîme. That's why I ate my tithe. Non. Branham that's même not that. Quand lui-même était affamé. Branham even la dîme, when himself. Ce n'est pas l'argent d'aller avec ça dans les McDonald's. The tithe is not the money to take to McDonald's. La dîme, ce n'est pas l'argent d'utiliser quand tu veux baratiner une sœur. The tithe is not the money to use when you want to go and court a sister. Tu prends ta dîme. You take your tithe. Tu lui payes les McDonald's. You pay the McDonald's. Tu lui payes le KFC. You pay the KFC. Tu lui payes le carburant. You pay the fuel. Tu lui payes les jupes. You pay the skirt. Tu lui payes cela. You pay this. Ça, c'est déjà that one is a cursed wedding already, marriage. Et cette sœur là va t'amener en enfer. And that sister will bring you to hell. Et je dis à mes brebis d'amen. And I'm telling my sheep, si amen. Si un frère te fréquente, if a brother is courting you, toujours au McDonald's, they will take you to McDonald's. Que chérie, ask him, honey. Tu as déjà payé la dîme? Did you pay the tithe? Tu risques de me maudire. You might curse me. Tous les McDo que je mange all the ici, McDonald's that I'm eating c'est here, plutôt l'argent de dîme. Is the money of tithe. Et quand tu découvres un frère comme and ça, when you discover such a brother, la cour est terminée. Tell him that the courtship is over. Parce que moi, je suis la semence d'Abraham. Because me, I'm the seed of Abraham. J'aimerais rencontrer Melchizedek. I want to meet Melchizedek. Et on ne rencontre pas Melchizedek. And we don't meet Melchizedek. Sans d'abord payer la dîme. Without first paying the tithe. Si je reste avec oh, toi, if I remain toi, with you, tu veux m'amener à Sodome. You want to bring me. Parce que à Sodome, because in Sodom, on ne payait pas la dîme. They were not paying tithe. Et après que tu m'as, est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Regardez quand vous ne payez pas la dîme. Look when you don't pay the tithe. Tu vas aller à Sodome. You go to Sodom. Et quand tu iras à Sodome. When you go to Sodom. Après tu deviendras homosexuel. After you become homosexual. C'est un principe. It's a principle. C'est quoi un frère m'a dit. That's a brother told me. Il y a maintenant des frères qui étaient ici. There are brothers who were here. Pendant qu'ils ont quitté l'église. While they left the ils church. Ils sont devenus libres. They became free. Et nous on s'est mariés avec nos femmes. They said we got married to our wives. Comme nous sommes des amis. But like we are friends. Voici notre principe. Behold our principle. Quand tu viens chez moi, Brazakola, when you come to my place, alors, maman Jeanne, tu fais comme ça.
Des mamans gênent au cul. Parce que nous sommes amis avec toi. Because we are friends with you, brother Eddie. Et sœur, là, quand tu vas chez sœur, that sister, when you go to sister Maida, je dis, vous voyez, I say, you see, manque de la parole. Lack of the word. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Même les sœurs, on ne se croit pas de se baiser. Even the sister, we don't believe in kissing non. like that. No. Branham dit, c'est le début de l'homosexualité. Branham said, it's the beginning of homosexuality. Quand vous ne payez pas la tithe, when you don't pay tithe, vous irez à Sodome. You'll go to Sodom. Et qu'est-ce qu'il y a à Sodome? What is there in Sodom? La communion fraternelle, brotherly fellowship, avec les homosexuels. With homosexuals. Yes, sir. La communion qui était à Sodome, the communion that was in Sodom, était toujours avec les homos. Lot was always with the homos. Et un jour, il a accepté ça. One day, he accepted it. Comment, frère Zakola? How, brother Zakola? Quand on a mis des pressions, when they put pressure, les anges sont entrés ici. And they're here. Les anges sont entrés ici. The angels came in here. Il a dit, please. He said, please. J'aimerais vous donner même mes filles. I want to give you my daughters. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme. Someone who doesn't pay the tithe. C'est un sodomite. He's a sodomite. Il vit à Sodome. He's living in Sodom. Pendant qu'on va sortir ce matin. While we're going to go out this morning. Demande à ton ami frère. Ask your friend, your brother. Toi, tu payes la dîme? Ask him, do you pay tithe? Oh non, les circonstances. No, the circumstances. Toi, tu es à Sodom. Tell him you are in Sodom. Mais Abraham, but Abraham, quand il a vaincu, when he overcame, c'était un victorieux. He was a victorious. Alléluia. Yes, sir. La preuve de quelqu'un qui a eu the la victoire, proof of someone who got victory, c'est de payer la dîme. Is to pay the tithe. Mon frère, my brother. Ah, pastor, Dieu te bénisse. Oh, pastor, God bless you. C'était wonderful. It was wonderful. Mais pour faire sortir l'argent, but to take out money. C'est seulement au vainqueur. It only to the overcomer. Amen. 10% de ton salaire. 10% of your salary. C'est seulement au vainqueur. It only to the overcomer. Les gens qui paient la dîme. People who pay tithe. Les récompenses. Their reward. Comme ils obéissent à un commandement de Dieu. As they already a commandment of God. Ils auront droit à manger l'arbre de vie. They will have the right to eat the tree of life. Et l'arbre de vie est venu dans ces derniers jours. And the tree of life came in this last day. Pour vivre éternellement. To live eternally. Payer la dîme. Pay tithe. Branham dit que comment cet homme. Branham said, how that man. Ni commencement ni fin. No beginning or end. Il est le propriétaire du ciel et la terre. He's the owner of the heaven and the earth. Mais comment il accepta la dîme? How was he accepting the tithe? La dîme c'est quelque chose de strict. He says tithe is something serious. Strict. It's something serious. On ne paye pas la dot avec l'argent de la dîme. We don't pay the brother fee with the tithe money. Cette dot là est maudite. That tithe is cursed. Dieu n'a pas dit que tu seras maudit. God did not say, you shall be cursed. Tu es déjà he said, you are already cursed. Beaucoup ici ont des boulots, ils ne payent pas la dîme. Many of them have work, but they don't pay the tithe. Ils ne payent pas les dîmes. They don't pay tithe. Mais ils disent, les sept se sont ouverts. They said the seven seas are le open. Seigneur the Lord has oh, come. Melchizedek. Oh my, Melchizedek. Gloire à Dieu. Glory to God. Melchizedek. Melchizedek. Va seulement. Goes only. Vers Abraham. Towards Abraham. Et il va vers lui quand? And he goes to him when? Quand Abraham, when Abraham a vaincu. He overcame. Regardez Melchizedek. Look, Melchizedek. Ne vient que au frère qui part chercher les âmes perdues. Only goes to the come to the brother who goes to look for the lost souls. Donc ici depuis que tu es amen. So here since you are in amen. Tu n'es jamais allé chercher you have never went to go and find the lot. Toi Melchizedek ne te rencontrera you, jamais. You Melchizedek shall never meet you. Même si tu pries comment? Even if you pray, I don't know lui how. Lui ne rencontre pas les prières. He doesn't meet prayers. Lui rencontre quelqu'un qui est parti chercher he Lot. He meets someone who went to seek for Lot. Sortez à Jobu. Come out of Jobu. Allez chercher tous les Lot ici. Go and seek all the Lot here. Les rétrogrades. The backsliders. Toutes ces églises ici sont des lotistes. All those churches are the lotists. C'est nous Abraham. We are the Abraham. Même si nous ont insulté. Even if they insulted us. Allez les chercher. Go and seek them. Allez les délivrer. Go and set them free. La délivrance ce n'est pas le combat de Mama Olangide. Deliverance is not the fight of Mama Olangide. La vraie délivrance est ici. The true deliverance is here. C'est l'épouse. Is the bride. Qui a la clé de délivrer les gens. Who has the key to set free people? Sœur, allez délivrer ta sister. Go and set free.
Cherchez un rétrograde. Seek for a backslider. Et quand tu peux vaincre ça, when you can overcome that, quand tu viendras un victorieux, when you come back a victorious, la Melchizedek vient. The Melchizedek comes. Oh, le roi Théophanie. The Theophany King. Le roi de Salem. The King of Salem. Le roi de paix. The King of Peace. Le roi de justice. The King of Righteousness. Et il va te donner le pain et le vin. And he'll give you the bread and the wine. La communion. Communion. La parole et la révélation. The word and the revelation. C'est on ne paye pas la dîme à quelqu'un d'autre. That's why we don't pay the tithe to on someone else. On paye la dîme à un prédicateur. We pay the tithe to a preacher. Et il doit avoir le ministre. And he must have a ministry. Il doit te donner le pain. He must give you the la bread. Vraie parole. The true word. Qui est accompagné du vin. That is come together with la the wine. Stimulation de la révélation. The stimulation of revelation. C'est à lui qu'on paye la dîme. It's unto him that you pay parce the tithe. Il représente Melchizedek. Because he represents Melchizedek. Et il te bénira. And he shall bless alors, you. Quand tu payes la dîme, but I'm saying when you pay the tithe, ton pasteur te bénira. Your pastor will bless you. Béni soit Abraham. Blessed be Abraham. May the Most High God bless Abraham by the paying of tithe. Who can say a big amen to that? Behold the first identification. Who was that Melchizedek? Who is he? Listen to Brother Branham. He says this. Who is this Melchizedek? Think about the greatness of that man. To the greatness of that man. La question se pose. Now the question is asked. Qui est cet homme? Who is that man? Les théologiens ont eu différentes idées. The theologians have different ideas. Mais depuis l'ouverture de cette but zone, since the opening of the seven seals, le livre qui était mystérieux, the book that was mysterious, selon Apocalypse 10, according to Revelation 10, verset 1 à 7, verse 1 to 7, tous les mystères écrits dans le livre qui ont été cachés, all the mystery that was written in the book was hidden, alors les réformateurs, in the time of the reformers, censé être dévoilé, they must be revealed par l'ange du dernier jour, by the angel of the last day. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? Melchizedek, la plupart sont de cet avis qu'il était un sacerdoce. Most of them are with this idea that he was a priest of the priesthood. Mais oh, il ne peut pas être cela seulement. Well, he cannot only be that. Dans le quatrième verset, il a dit qu'il était une personne. In the fourth verse, they say he was a person. Un homme. A man. Ainsi pour être une personne. For you to be a person, il devait être une personnalité. He had to be a personality. Un homme, Melchizedek n'était pas seulement un ordre. A man, Melchizedek was not only an order, mais une personne. But a person. Ainsi, il n'était pas seulement l'ordre d'un sacerdoce. So he was not only the order of sacerdotes. Il n'était pas non plus un mythe. He was not only also a myth. Il était une personne. He was a person. Qui peut dire amen? Who can say amen? Cette personne est éternel. That person is eternal. Une personne éternelle. An eternal person. C'est Dieu. Is God. Parce qu'il est le seul qui soit éternel. Because he's the only one who can be eternal. Oh, mais répondez amen à Frère Branham. C'est amen to Frère Branham. Il est la seule personne à pouvoir être éternel. He's the only person to be eternal. C'est Dieu se transformant en une personne. Is God transforming himself into a person. C'est Dieu en morphe. Is God in morphos. Le mot grec signifiant changer. The Greek word meaning change. Or, le mot grec morphe signifie qu'il changea de masque. Well, the Greek word in morphos meaning he changed the mask. Il changea de masque. He changed the mask. C'est ce que Dieu a fait. That's what God did. Il est le même Dieu tout le temps. He is the same God all the time. Oh, je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Lisons un peu l'homme de Dieu. Let us read the man of God. Il dit Paul plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchizedek. He said, Paul later, we did not hear speak about Melchizedek. Parce qu'il est devenu Jésus Christ. Because he became Jesus Christ. Melchizedek. Melchizedek. Qui rencontra Abraham. That met Abraham. On a plus parlé de lui. They did no longer speak about him. Branham say here, my friend. Est-ce que les aigles sont avec moi? Are the eagles with me? Il est devenu he Jésus became Christ. Jesus Christ. Le sacrificateur. The high priest. Mais il est devenu Jésus Christ. But he came Jesus Christ. Qui peut dire amen? Who can say amen? Melchizedek. Cette personne-là. That person there. C'est Dieu en morphe. Is God in morphos. Changeant de forme. Changing forms. Et de masque. And the mask. Il est devenu Jésus Christ. He became Jesus Christ. Quel Jésus Christ? What Jesus Christ? Et which de la one? Chair de Galilée. Is it the flesh of Galilee? 95, il dit maintenant. 95, he says now. La véritable révélation. The true revelation. De Melchizedek. Of Melchizedek. Apparaît. Appears. Elle montre qu'il était Dieu. It shows that he was God. La parole.
parole, the word, avant de devenir chair, before becoming flesh, parce qu'il devait l'être, because he had to be it. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. No one else could be immortal like him. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. You see, I had a father and a mother. Branham me dit que j'ai eu un père et une mère. Branham say I had a father and a mother. Mais Melchizedek n'a ni père ni mère. But Melchizedek doesn't have a father or a mother. Jésus avait un père. Jesus had a father et une mère. And a mother. Oh, yes, sir. Amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Pas Jésus. Not Jesus. Jésus a eu un commencement. Jesus had a beginning. Amen. Mais cet homme, but this man, n'a ni père, doesn't have a father, ni mère, neither a mother. Jésus a eu un commencement. Jesus had a beginning. Cet homme pas. That man never. Jésus. Jesus a eu un commencement. Had a beginning. Il est né par Marie. He was born by Mary. Mais Melchizedek, but Melchizedek n'a ni commencement, doesn't have a beginning, ni fin, neither an end. Amen. Amen. Mais qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? Branham il est devenu Jésus. Branham said he became Jesus Christ. Après il dit que Jésus. After that he said Jesus. A un commencement. Had a beginning. Jésus a un père et une mère. He had a father and a mother. Amen. Mais lui. But him. Cette personne. That person. N'a ni père ni doesn't mère. Have a father or a mother. Ce n'est pas un mythe. He is not a myth. Ce n'est pas une imagination. He is not an imagination. Jésus donna sa vie. Jesus gave his life. Mais cet homme, but this man, ne le pouvait pas, could not do it, parce que, because il était la he vie. Was life. Jésus, oh my, Jesus donne la vie. Gives life. Mais Melchizedek, but that man, lui-même, him, est la vie. He is life, yes sir. Oh, oh my, à la mathématique de the Dieu, mathematic of God, le nombre de la vie, the number of life, c'est 28. Is 28. Retenez ça. Remember that. 28 c'est la vie. 28 is life. Et Melchizedek, Melchizedek lui-même est la vie. Himself is life. Dites un grand amen à cela. Say a big amen to that. Yes, remarquez son titre. Notice his title. Hébreux 7:2. Hebrews 7:2. Roi de justice. King of righteousness. Et roi de paix. And king of peace. Celui qui peut te donner la paix. The one who can give you peace. Lui, il est le roi de la paix. He is the king of peace. Quand Zakola est troublé. When Zakola is troubled. Celui qui a la paix. It's him who has the peace. C'est le roi Melchizedek. He's the king Melchizedek. Et pendant que je prêche. While I'm preaching. Il peut te donner la paix. He maintenant. Can give you peace. Amen. Il est le roi de justice. He is the king of righteousness. Parce que il est la tribu esprit. Because he is the tribu spirit. Il est le juge suprême. He is the supreme judge. Quand lui dit que tu es acquitté, tu es acquitté. When he say you are not guilty, you are not guilty. Oh, maintenant il est deux rois. Now he is two kings. Melchizedek est combien? Deux rois. Melchizedek is how many? Two kings. Roi de justice. King of justice. Est-ce que vous me righteousness. Madame? Are you following oh, me? Je me sens heureux ici. I feel joyful. C'est lui que nous voulons rencontrer. He's the one we want to meet. Or, depuis qu'il est venu dans la chair. Well, since he came in the, oh my, in the flesh. Que son corps a été enlevé. His body was raptured. Il est tout à la fois. He's all the three at the same time. Il est le roi Dieu. He is the king God. Le roi Théophanie, the king Theophany, et le roi Jésus, and the king Jesus, Apocalypse 21, Revelation 21:16. Il est le roi des rois. He is the king of kings. Tous ces rencontres, all those meetings, comme l'âme, le corps et l'esprit, a soul, spirit and body, tout finit par nous former que un. All finish by making one. Il est aussi le père. He's also the father. Il était en premier. He was the first. Le fils. The son. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Roi de justice. King of justice. La tribu esprit. The attribute spirit. Roi de paix. King of peace. La tribu théophanie. The theophany attribute. Or la paix veut dire le what? Shalom. Peace means the shalom. Et le shalom c'est le roi and théophanie. The shalom is the theophany king. Et dans la chair, and in the flesh, il devient roi des rois. He become kings of kings. Quand est-ce que Melchizedek devient roi des rois? When does Melchizedek become king of kings? C'est quand il est dans la chair. Is when he's in the flesh. Moïse, Moses, saw. Il était une
theophany. He was a theophany. Moïse voulait voir Dieu. Moses wanted to see God. Il avait entendu sa voix. He heard his voice. Il avait entendu Dieu lui parler. He heard God speaking to him. Il avait vu la colonne de feu. He saw the pillar of fire. Il dit, je veux savoir qui tu es. He said, I want to know who you si are. Tu me laisses te voir, if you let me je see me you, I want to see your face. Il a dit à Moïse, he said to Moses, aucun homme ne peut me voir. No man can see me. Personne ne peut voir ma no face. One can see my face. Voyez-vous? You see, lorsqu'il passa, while he was going by, c'était le dos d'un homme. It was the back of a man. C'était la théophanie. It was the theophany. Who can say amen? Remarquez une fois la bataille terminée. Notice once the battle was over. Melchizedek servit à son enfant victorieux. Serves on to his victorious child. La communion. The communion. Une partie de lui. A part of himself. Qu'est-ce que signifie la communion? What is communion? Une partie de a lui-même. Part of himself. Après que la bataille, il donnait une partie de lui-même. After the battle, he gave him a part of himself. Parce que la communion, c'est une partie de Christ. Because communion is the part of Christ. Et après avoir été bien secoué. And when he was well, after he was well shaken. Alors que vous goûtez à Christ. Is that when you taste Christ? Dieu peut amener que l'église soit secouée. God can bring that the church is shaken. Et après, vous allez goûter à Christ. And then you shall taste Christ. Mais après que son fils Abraham y remportait la victoire, after his son Abraham overcame in the war, le rencontra, et lui donna du vin, and he gave him wine, du pain, and bread, montrant que lorsque cette bataille terrestre, showing that when this terrestrial battle sera terminée, shall be over, nous le rencontrerons dans les cieux, we shall meet him in nous the sky, prendrons à nouveau la communion, we will take again the communion, ce sera le souper des noces, it shall be the souper des noces, it shall be the honeymoon. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? Si ce n'est Dieu, if it's only God. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et c'est Melchizedek. And this Melchizedek, 123, devint chair, became flesh. Il se révéla comme le fils de l'homme. He revealed himself as the son of man. Quand il vint en tant que prophète. When he came as a prophet. C'est Melchizedek. That Melchizedek était chair. He was made flesh. Représenté dans un corps humain. Represented in the human body. Et plus tard, later, il devint chair. He became flesh. Ce soir même, tonight, il est le même. He is the same. Aujourd'hui, today, il est dans la chair he's ici. He's in the flesh here. Le croyez-vous? Do you believe it? C'est Melchizedek. This Melchizedek here, qui rencontre Abraham, that meets Abraham. Et nous sommes la semence d'Abraham. And we are the seed of Abraham. Remarquez Melchizedek. And notice Melchizedek. Il te rencontre après la bataille. It meets you after the battle. Et remarquez que les sept âges de l'église. Notice the seven church ages. Amen. Ne rencontre pas Melchizedek. Does not meet Melchizedek. Les sept âges, the seven church ages, sont la bataille. Is nothing but the battle. Apocalypse, or in Revelation, aux victorieux d'Éphèse, to the overcome of Ephesus, aux vainqueurs, to the overcomer, je vous donnerai ceci. I shall give you this, aux vainqueurs, to the overcomer, je vous donnerai I ceci. Shall give you this, jusqu'à Laodicée, until Laodicea, aux vainqueurs to de the Laodicea, overcome of Laodicea, je vous ferai asseoir, I will make you see, dans mon trône, in my throne, comme moi j'ai vaincu, like me I overcame. Je me suis assis and I'm sitting dans le trône de mon in père. The throne of my father. Cela veut dire quoi, mes that frères? What does it mean? Les sept âges de the seven church ages ce n'est pas l'âge de Melchizedek. Is not the age of Melchizedek. Ça, c'est la bataille. That is the battle. Ça, c'est la semence royale that d'Abraham. Is the royal seed of Abraham. Qui sont en train de combattre. That are busy fighting. Depuis Paul. From Paul. Il cherche Lot. He seeks Lot. Il ramène les he brings back the lost. Il y a eu sept batailles. There were seven battles. Pour gagner les dix rois. To overcome the ten kings. Sept batailles. Seven battles. Qui sont les sept âges. That are the seven ages. Pour gagner les dix rois. To overcome the ten kings. Les cinq sens du corps. The five senses of the body. Et les cinq sens de l'esprit. And the five senses of the spirit. Tous les sept âges. All the seven ages. Combattaient. God was fighting. Pour gagner. Ce que nous voyons. To win what we see. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit. Faith is not what we see. Pour gagner ce qu'on attend. To win what we hear. Pour gagner le goût, le toucher. To overcome the touch and the feeling. Cinq sens du corps. Five senses of the body. Qui domine notre corps. That dominates our body. Qui vit comme un royaume. That lives like a kingdom.
Et pour gagner les cinq rois de l'esprit. And to overcome the five kings of the spirit. Le raisonnement. The reasoning. Dieu doit gagner ça. God must overcome it. Quelqu'un qui raisonne avec la parole. Someone who reason with the word. Il raisonne pour payer la dîme. He reason to pay the tithe. Il raisonne pour venir à l'église. He reason to come to church. Raisonnement. Reasoning. Vaincre la pensée. Overcoming the thought. Les imaginations. Imagination. Vaincre les affections charnelles. Overcoming carnal affections. Il y a eu sept batailles. There were seven battles. Les sept âges de l'église. The seven church ages. Sont les sept batailles. Are the seven battles. Depuis Paul. From Paul. Jusqu'à William Branham. Out to William Branham. C'est quoi quand vous lisez dans l'Apocalypse? That's when you read in Revelation. La Bible dit, oh vainqueur. The Bible says, to the overcomer. The one who overcomes. The one who will overcome. C'est Abraham et sa semence. Abraham and his seed. Qui est en train de faire la bataille. Those are waging wars. Mais quand la bataille là, c'est sept batailles. That battle is seven battles. Pour vaincre dix rois. To overcome ten kings. Notre ennemi. Our enemy. C'est nous-mêmes. Is ourselves. Dites un grand amen. Say a big amen. C'est les cinq sens du corps. It's the five senses of the body. Et les cinq sens de l'esprit. And the five senses of the spirit. Quand nous finissons la bataille, when we finish the battle, les âges ne sont pas l'âge de Melchizedek. The ages are not the age of Melchizedek. Ça, ce sont les batailles. Those are battles. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Mais quand nous terminons par le septième vainqueur, when we finish by the seventh overcomer, qui est William Branham, that is William Branham, qui a vaincu, that overcame, alors, and then, quand il retourne, when he comes back. Il a vaincu en 62. He overcame in 62. Quand tout le monde l'a abandonné. When everyone forsook him. Mais lui, il a vaincu. But he overcame. Le raisonnement lui disait. The thinking was telling tout him. Tout le monde t'a abandonné. Everyone forsook him. Pour qu'il puisse aller chercher ces gens-là. For them to go and look mais for lui, people. Il a vaincu le raisonnement. He overcame the reasoning. Il prêche. He preaches. Le temps présent de mon ministère. The present stage of my ministry. Il dit, tout le monde m'a abandonné. He said, everyone has forsaken mais me. Je suis resté fidèle. But has remained faithful. À la vision céleste. To the heavenly vision. Mais je me tiens ici. I'm standing here. Je sais que Dieu me here donnera I stand ma and I know God will give me my reward. Melchizedek ne vient qu'au vainqueur. Melchizedek only come to the overcomer. Il a vaincu le payer la dîme. He overcome paying the tithe. Voyez-vous lui-même comme il dit. You see himself like même he said. Même quand ses enfants étaient malades. Even when his children were sick. Il prélevait sa dîme. He took out first his tithe. Il a vaincu. He overcame. C'est pourquoi. Is that why? Le 28 février. The 28th of February. 28 c'est la vie. 28 is life. Et Branham dit la vie c'est Melchizedek. Branham said life is Melchizedek. Melchizedek descend. Melchizedek comes down. Est-ce que vous me suivez ici? Are you following me? La nuée. The cloud. Ce n'est pas le corps de chair de Jésus. It's not the flesh body of Jesus. Dites un grand amen. Say a big amen. La nuée c'est pas le corps de chair. The cloud is not the flesh body. La nuée c'est Melchizedek. The cloud is Melchizedek. Jésus a eu un commencement. Jesus had a beginning. Mais la nuée n'a pas de commencement. But the cloud didn't have a beginning. Il prend la forme. He takes the form de Jésus Christ. Of Jesus Christ. Qui est Melchizedek? Who is Melchizedek? Le roi de the justice. King of righteousness. La tribu esprit. The attribute that is spirit. C'est pourquoi dans la is that why in the cloud? Frère Branham says, comment ce wow, this Jesus of 33 years peut avoir les cheveux can have what hair? Dieu lui dit, God tells il him, est devenu le juge. He has become the judge. Le juge suprême. The supreme judge. Qui est le juge who suprême? Is the supreme judge? C'est Melchizedek. He is Melchizedek. Roi king de justice. Of righteousness. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Il est le roi he de is paix. The king of peace. Parce qu'il est le roi de Salem. Because he's the king of Salem. Le roi de paix. The king of peace. C'est pour cela. Is that why? Branham preached. Shalom. Shalom. Il dit que he says that. Christ est dans la nuit. Christ in the cloud. Il dit shalom à son épouse. He says shalom to his bride. Il dit que la paix he de Dieu soit avec the peace of God be with you. Et je suis ici. And I'm here. Pour dire amen tabernacle. He says to him a tabernacle. That the peace must reign in this church. La paix règne dans vos foyers. Peace must reign in your houses. La paix dans vos business. Peace in your business. Parce que, because, oh, mes amis, my friends, nous ne sommes pas comme Moïse. We are not like Moses. Moïse voulait le Moses voir. Wanted to see him. Il dit Moïse, he said, Moses, personne no one voir. Can see me. Mais je passe go by. Moïse, il a when vu, Moses saw him, il a vu son dos. He saw his back. Son dos his back ressemblait looked like au dos d'un homme. To the back of a man. Branham said he was il était la théophanie. He was the theophany.
Mais dans cet âge, but in this age, nous le verrons face we à face. Shall see him face to face. Paul avait dit, Paul said, vous qui avez le visage découvert, you who have covered faces, contemplant comme dans un miroir, watching like in a mirror, la gloire du Seigneur, the glory of the Lord, nous le verrons, we shall see him face à face, face to face. Croyez-vous à la Bible? Do you believe the Bible? Nous le verrons face à face. We shall see him face to et face. Tel qu'il est, as he is, tel que nous serons, as we shall be. Qu'est-ce qu'il est dans la nuit? What is in the cloud? Il est la théophanie. He is the theophany. Et qu'est-ce que nous devons? And what shall we become? L'ouverture des seaux. The opening of the seals. Dieu remet à chacun. God give back to each one. He is theophany. Sa théophanie. He is theophany, my brothers. Il est le roi. He is the king. Deux rois. Two kings. Personne ne peut me juger. No one can judge him. Personne. No one. Personne. No one. Moi, Zakola ici. Me, Zakola here. Personne. No one. Celui qui juge, the one who judged, m'a déjà jugé, has already judged me, et il m'a acquitté, and he has made me not guilty. Oh my! Parce que le mystère, because the mystery, c'est que Melchizedek, is that Melchizedek, n'est pas seulement le juge, is not only the judge, il est l'avocat de l'épouse, is also the lawyer to the bride. Et nous devons le rencontrer, and we must meet him, et nous devons vaincre, we must overcome, toutes choses, all things. Je suis revenu ici. I came back here. C'est le temps de vaincre le raisonnement. It's the time to overcome. Vous devez vaincre la crédulité. You must overcome unbelief. Vaincre les circonstances. Overcome the circumstances. Qui vous empêche? That's stopping you. D'aimer Dieu. To love God. Paul a dit. Paul said. Qui peut me séparer? Who can separate me? De l'amour de Christ. From the love of Christ. Hallelujah. Amen. Il est deux rois. He is two kings. Mais Branham a dit. But Branham says. Il devient trois rois. He becomes three kings. Quand il est dans la, when he's in the flesh. Le septième sceau. The seventh seal. Ramène Melchizedek. Brings back Melchizedek. Sur la terre. On the earth. Jésus a dit. Jesus said. Ce qui arriva au temps de that Sodom. That which happened in the time of Sodom. Arrivera au jour du Christ. Shall happen in the day of the Son of Man. Dieu viendra. God shall come. Sous la forme. Under the form. D'un prophète. Of a prophet. La parole. The word. Fait de chair. Made flesh. Dieu. God. Amorphous. Et en ce moment-là, and in that time, il est le roi. He is the king. Comment le reconnaître? How to recognize him? On ne le reconnaît pas. We don't recognize him by his clothes. Parce qu'il change de masque. Because he changes the mask. Mais comment on l'a reconnu dans la Bible? How we recognize him in the Bible? Nathanael. Philippe est parti l'appeler. Philippe went to call him. Nathanael était un faux frère. Nathanael was a false brother. Il ne voulait pas venir à Amen. He did not want to come to Amen. Qu'est-ce qui veut sortir d'Amen? What can come out of Amen? Qu'est-ce qui est bon dans l'église? What is good in that church? Qu'est-ce qui est encore bon? What is still good in Amen? Qu'est-ce qui reste dans l'église? What is still day? Why? Philippe a dit à Nathanael. Philippe said to Nathanael. Viens d'abord le voir. Come and see first. Yakananu. Not first come. Tika go fingangai partout. Stop swearing at me everywhere. Qu'est-ce qui peut arriver dans un pasteur comme ça? What can happen in a pastor like that? Il a fait ceci. In fact, he did this. Cela. He did that. Il a fait cela. He did this. Pas de problème. No problem. Viens d'abord. First come. Allez leur dire. Go and tell them. Viens d'abord. First come. Viens voir d'abord. First come and see. Et quand Nathanael est venu, and when Nathanael came, il a regardé. He looked. Je dis, voici un Israélite. Behold an Israelite. Auquel il n'y a pas de faute. In whom there is no fault. Nathanael dit. He jumped. He was shocked. Comment est-ce que tu m'as connu? How did you know me? Il dit, quand tu étais là-bas, when you were there, je t'avais vu. I saw you. Nathanael a dit. Nathanael said. Tu es le roi. You are the king. On reconnaît le roi. We recognize the king par le discernement de by the discernment of the thought. Le signe du Messie. The sign of the Messiah. Quand vous voyez, when you see un homme, a man, est-ce que vous me suivez? Are you following me? Même s'il est court ici, even if he's short like this, ou il est long là-bas, or he's tall like that, ne craignez pas sa longueur. Don't take his height. Ne dénigrez pas. Don't underestimate his shortness. Sa short time, his shortness. Mais nous, but us, nous observons. We watch le signe du the roi. Sign of the king. Et le signe du roi, and the sign of the king. Ce n'est pas un Corinthien 12. It's not 1 Corinthians 12. You're just shaking the spirit. No. No. Le signe du roi, the sign of the king. C'est le signe du Messie. Is the sign of the Messiah. Amen. Amen. Quand vous voyez ça, when you see that,
Le roi n'est plus au ciel. The king is no longer in heaven. Le roi est descendu. The king has come down, yes, et sir. Le royaume est descendu. And the kingdom has come down. Et en ce temps de la fin. And in that time of the end. Le même Melchizedek. The same Melchizedek. Qui était dans la nuit. That was in the clouds. S'est fait chair. Has made flesh. Dans les prophètes. In the prophet. Et il a tourné. And he turned his back. Il dit, toi tu viens de ici. And he said, you this. Toi tu viens de là-bas. You come from there. Pour moi, Zakola. For me, Zakola. J'ai vu le roi. I have seen the king. Il est le roi des rois. He is the king of kings. La parole faite chair. The word made flesh. C'est ça notre expiation. That's our atonement. C'est ça le pardon du péché. That's the forgiveness of sin. Pourquoi? Why? Je ne suis pas ici. I am not here. Un prédicateur. A preacher. Selon l'ordre d'Aaron. According to the order of Aaron. No, je suis ici. I am here. Selon l'ordre. According to the order. De Melchizedek. Of Melchizedek. De Melchizedek. Of Melchizedek. Pas celui-là. Not that one. Pas à l'est. Not in the east. Celui-ci. This one here. Le roi Théophanie. The Theophany king. Dans la chair. In the flesh. Il fait l'appel. He does God calling. Et nous venons à lui. And we come to him. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Le même Melchizedek. The same Melchizedek. Nous a visité. Has visited us here. Dans la chair humaine. In the human flesh. Parce que mes frères. Because my brothers. Je vais vous scandaliser. I will scandalize you. Le pays que Dieu avait promis à Abraham. The land that God promised to Abraham. Ce n'était pas la Palestine. It was not Palestine, yes sir. No. No. Ce n'était pas la Palestine. It was not Palestine. Ce n'était pas ça. It was not that. Mais c'était la demeure future. It was the future dwelling. Abraham. Abraham. Dieu lui avait dit. God told him. Que dans ce pays-là. In that land. L'agneau sera la lumière. The lamb shall be the light. Mais Abraham est arrivé. But Abraham got there. Il est devenu vieux. He became old. Mais il avait une consolation. But he had a comfort. Même s'il n'était pas encore dans even le pays. Even if he was not yet in the land. Mais il rencontra le roi. But he met the king. Abraham cherchait cette cité. Abraham was seeking for that city. Là où il y aura ni la mort. Where there won't be death. Ni la pauvreté. Ni the poverty. Ni le chagrin. Ni the weeping. Ni le songi-songi. Ni the gossiping. Un pays. A land où coule le lait et le miel. Where flows the honey and the milk. Un pays. A land où il n'y a pas de goudron. Where there's no tar. Mais il y aura. But there will be. L'or. Gold. La divinité. Godhead. Un pays. A land où il n'y a pas de cimetière. Where there's no cemeteries. Un pays. A land où il n'y a pas de maladie. Where there's no sickness. Abraham cherchait ça. Abraham was looking for it. Il pensait que c'était sur la terre. He thought that it was on the earth. Abraham pensait ça. Abraham thought that parce qu'il rencontra le roi. Because he met the king. Il rencontra le roi he de met pays. The king of that land. Abraham pensait Abraham thought cet homme-là était dans la chair. That man was in the mais flesh. Il était théophanie. But he was theophany. Et quand il a commencé and à vieillir, when he started getting old, Dieu a dit, God said, je vais donner à Abraham, I will give to Abraham le goût de ce pays-là. The taste of that land. Le grand Melchizedek, the great Melchizedek, il entre dans la chair. He comes in the flesh. Et à 11h, and at 11 o'clock, il a pris deux anges. He took two angels with him. Allons visiter Abraham. There we go. Go and visit Abraham. Il s'est habillé comme les gens. And he dressed like those people. Ils ont marché. They walked. Cette fois-ci, pas dans la théophanie. This time, not in theophany. Mais la théophanie dans la chair. But in the theophany, in the le flesh. Roi de rois. The king of kings. Dans la chair humaine. In the human flesh. Genèse 18. Genesis 18. C'est Melchizedek. Is Melchizedek. Dans la chair. In the flesh. Et ils venaient à toi. And they were coming in ils three. Avaient les poussières. They had dust. Dans leurs sandales. In their sandals. Abraham a dit. Abraham said. Quand il a dit Abraham. When he said Abraham. Abraham savait. Abraham knew. Que personne. No one. Ne connaît mon nouveau knows nom. Knows my new name. Si ce n'est Melchizedek. If it's only Melchizedek. Il a dit oh Seigneur. He said oh Lord. La Bible dit. The Bible says. Abraham l'adora. Abraham worship him. Dit amen. Say amen. Il n'adora pas ce corps. He did not worship this body. Parce qu'on adore que celui qui because est éternel. We worship the one who is eternal. Il adora celui qui était dans la he chair. Worshiped the one who was in the flesh. Et dit Abraham, and he said, Abraham, cacherai je ce que je vais faire. Shall I hide unto Abraham what I shall do? Il dit Abraham, he said, Abraham, au temps marqué, in the set time, Sarah aura un fils. Sarah shall have a son. Sarah, il a dit, Sarah laughed, he said, really? Le monsieur ici, this man, j'ai préparé le bouc là-bas, I cooked my pap nicely. Il a mangé he le came and he ate my pap.
Et Théophanie ne mange pas. Et Théophanie does not eat. Mais Branham dit quand Melchizedek est dans la chair. Branham said Melchizedek is in the flesh. Il peut manger. He can eat. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Il mangeait la he viande. He eats the meat. Il but du lait. He drank the milk. Et il était rassasié. And he was full. Il dit Abraham. He said Abraham. Je reviendrai. I shall come back. Sarah aura un fils. Sarah shall have a son. Sarah dit non. Sarah said no, man, these things. Le monsieur ici l'a beaucoup mangé, il se moque de moi. This man ate a lot, now he's making fun of me. Quand Melchizedek when Melchizedek comes, ton incrédulité ne t'arrêtera que toi-même. Your unbelief can only stop yourself. Il dit pourquoi Sarah rit? He said, why did Sarah laugh? Frère Branham dit. But Branham says, si Sarah n'avait pas douté, if Sarah did not doubt, il devait mettre au monde, she had to give birth, Jésus Christ. Jesus Christ. Sans l'intervention d'Abraham. Without the intervention of Abraham. Dieu dit donnez-lui Isaac. God said, just give him Isaac. Mais on va leur donner le goût. But we'll give them the taste. L'avant-goût du pays. The before taste of the land. Parce que ça, ce n'est pas because ce pays-là. This is not that land. Quand il est parti accompagner Abraham, when he went with Abraham, Abraham est parti l'accompagner. When Abraham went to drop him down the corner, he went. Quand Abraham revenait, when Abraham was coming back, Sarah, le regarde, Sarah looked at him. Oh, chérie, honey. Oh. Mais, tu es devenu comme un garçon de 18 ans. You became like a young man of 18 years. Et Sarah regarde Abraham. And Sarah looked at Abraham. Il dit, oh. He said, oh. Abraham. Abraham. Qu'est-ce qui se passe? What's taking place? Je vois une métamorphose. I see a metamorphosis. Tu deviens quand tu avais 18 ans. You look like when you were 18. Et Abraham aussi regarde Sarah. And Abraham looked at Sarah. He said, Sarah. Mansusa tu es longue. All the wrinkles are gone. Tu es devenu une fille de 17 ans. You have become a girl of 17 years. Branham dit, ce n'était pas de la blague. Branham said it was not a joke. La Bible dit, the Bible says, Abraham qui avait 100 ans. Abraham who was 100 years. Est devenu, became, un garçon de 18 ans. A boy of 18 years. Et Sarah, and Sarah, qui avait 90 ans, who was 90 years, est devenu, became, une fille de 17 ans. A girl of 17 years. Dites amen à cela. Say amen to that. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Ils sont redevenus jeunes. They became young again. Parce que la vieillesse c'est le signe de la mort. Because getting old is a sign of death. Ils sont redevenus jeunes. They became young again. C'était l'avant-goût. It was the before taste. De la translation. Of the translation. Hallelujah. Amen. Mais quand il vient dans la chair. But when he comes in the flesh. Melchizedek. Melchizedek. Dans l'ordre de Jésus. In the order of Jesus. Il a dit. He said, je m'en vais au Père. I'm going to the Father. Je vais vous préparer une place. I will prepare a place. Et quand j'aurai préparé, when I will prepare, je viendrai. I will come. Je vous prendrai. I will take you. Afin que là où je suis, that where I shall be, vous y soyez aussi. So you may be. Vous dites amen? You say amen. Ne soyez pas comme les Pentecostals. Don't be like the Pentecostals. Ils pensent qu'au ciel, they think in heaven, il y a une ville comme Joburg. There is a city like Joburg. Non. No. Branham dit au ciel il y a pas de ville comme ça. Branham said in heaven there's no such cities. Dans le royaume de mon père. In the kingdom of my father. Il y a plusieurs maisons. There's many dwellings. Many mansions. Many mansions. Dans yes, le royaume de mon père. In the kingdom of my father. Il pensait que. He thought that. Il y aura des maisons là-bas comme there'll be mansions there like in the suburbs. Dieu n'habite pas les maisons. God does not dwell in mansions made of human hands. Frère Branham dit, but Branham says, cette compréhension, that understanding, était, it was, avant l'ouverture des seaux, before the opening of the seals. Mais quand les seaux sont ouverts, when the seals were open, les maisons que Jésus parlait, the mansion that Jesus was speaking about, c'était les théophanies. It was the theophany. Paul a dit, Paul said, si cette tente, if this tent, où j'habite, where I'm living, est détruit, is destroyed, j'ai un autre, I've got another, dans la maison du Père, in the house of the Father, la maison du Père, the house of the c'est Father, la théophanie, is the theophany, le pays que Dieu avait promis à Abraham, the land that God promised to Abraham, c'était la théophanie, it was the theophany, parce que c'est la théophanie, because it's in the theophany, il y a pas de famine, there's no famine, il y a pas de souci, there's no worries. Il y a pas de maladie. There's no sickness. Et ce pays-là, and that land, Jésus est revenu. Jesus came back. Il apporta maintenant. He brought now. Quand il entre dans la le loi Melchizedek. When he goes into the law Melchizedek. Selon l'ordre de H-A-M. According to the order of H-A-M. Parce que Melchizedek, because Melchizedek a mis deux ordres. Has put in two orders.
pas celui d'Aaron. Not the one of Aaron. Mais Melchizedek. Melchizedek. Dans le premier ordre. In the first order. Dans Jésus. In Jesus. Cela s'est terminé. That finished. En 63. In 63. C'est Melchizedek. It's Melchizedek. Dans l'ordre. In the order. De Melchizedek. Of Melchizedek. H-A-M. In H-A-M. Pourquoi il fait ça? Why does he do that? Parce que. Because. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Quand il est venu. When he came. C'est lui le premier qu'il avait rencontré. He's the first that he met. C'était Abraham. It was Abraham. Mais en ce temps-là. But in that time. Lui Melchizedek. He Melchizedek. Était dans sa théophanie. He was in his theophany. Et Abraham. And Abraham. Dans son corps. In his body. Quand il entre dans la chair. When he comes into the flesh. Pour le vivifier. To quicken him, Melchizedek, Melchizedek Elohim, Elohim était dans la chair humaine, was in human flesh, Abraham aussi dans son corps. Abraham in his body. Comme il veut honorer Abraham, when he wants to, as he wants to honor Abraham, il amène un homme dans ce he brings jour. A man in this last day. Il lui donne le nom de H-A-M. He gives him the name of H-A-M. Abraham, de l'Ancien Testament. Abraham of the Old Testament. C'est Branham dans le dernier jour. He's Branham in the last day. Il a aussi H-A-M. He also has H-A-M. H-A-M veut dire Branham says H-A-M means le père de la foi. The father of faith. Qui peut dire amen? We can say amen. Et il promet à Branham, and he promised to Branham un pays où coule a land where honey and milk flows. Là, il y a pas de maladie. Where there won't be sickness. Et il amène Frère Branham. And he brings Brother Branham. Dans ce pays-là. In that land. Il dit, j'étais là. He said, I was there. En 1960. In 1960. Je méditais sur ma vie. I was meditating upon my life. Voix m'a dit, a voice told me. Aimerais-tu voir de l'autre côté? Do you want to see the other side? J'ai dit, ça va m'aider. I said, it shall help me. J'ai vu que j'ai quitté mon corps. I saw that I left my body. J'ai quitté ce pays. I left this country. Branham appelle this land. Corps, cette maison de peste. Branham called this body a pest house. Cette maison de lépreux. A house of leprosy. Je me suis vu dans un he said, pays. I saw myself in another land. Branham, pays réel. Branham said it was a real land. Où les morts sont debout. Where the dead are standing. Et ils nous attendent. When they wait for et us. Tout le monde m'a embrassé. And everyone hugged me. Même les sœurs. Even the sisters. M'embrassaient. They hugged me. Il y avait pas de glandes. There were no glands. Il y avait pas d'affection sexuelle. There were no sexual affection. Mais où est-ce que je suis? But where am I? Je me suis dit que I said that ma calvitie était partie. My baldness was gone. Mes cheveux étaient comme à 18 ans. My hair was like at 18 years. Et tous les saints ont dit. And all the saints said. Notre précieux frère. Our precious brother. Si tu n'étais pas venu, if you hadn't come. Nous ne serions pas ici. We won't be here. Et on m'a mené à un endroit. And they brought me to a place. J'étais assis comme un chef. I was seated like a chief. Pourquoi vous m'avez mis? I said, why have you put me here? Yo, sur la terre. They say, on the earth. Toi, tu étais chef. You were a chief. Il dit, mais c'est comment? He said, but how? Et il a vu une fille. And he saw a girl de 18 ans of 18 years qui vient l'embrasser. Who was coming to hug him. Papa. He said, daddy. Il dit, mais comment? He said, but how? Moi et toi, on a le même âge. Me and you, we have the same age. Dans le pays, là, in that land. Tous nous avons le même all âge. Of us, we have the same age. Il dit, mais non. He said, but no. Il dit, c'est moi, Sharon. He said, it's me, Sharon. Il dit, mais Sharon. He said, but Sharon. Tu es mort à 3 mois. You die only 3 months. Il dit, papa, tu n'es pas dans le pays là-bas. He said, daddy, you're not in that land. Tu es dans un autre pays. You are in another land. Le pays où coule. The land where it flows. Le lait et le miel. Of honey and milk. C'est vrai? Is it true? Il dit, j'aimerais voir Jésus. He said, I want to see Jesus. Il est en haut. They say he's up there. Ils viendront premièrement. He first will come towards et you. Et il va te juger. And he will judge you. Il dit, est-ce qu'il jugera Paul? He said, will he judge Paul? Il dit, oui. He said, yes. Il dit, si ceux de Paul entrent. If those of Paul go in. Les miens entreront. Man will go in. Et tous se sont écriés. And all shouted. Nous nous reposons. We are resting upon that. Ce soir. Tonight. Nous nous reposons là. We are resting upon that. Mon frère, moi je ne suivrai aucun autre prophète. My brother, I will follow no other prophet. Je n'ai pas confiance à un prophète. I don't trust the prophet. Je n'ai pas confiance à un ancien. I don't trust an elder. Je n'ai pas confiance en moi-même. I don't trust myself. Je n'ai confiance qu'à Frère Branham. I only trust Brother Branham. Confiez-vous à mes prophètes. Confine unto my prophet. Et vous réussirez. And you shall succeed. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Rentre, va faire le travail. Go back and do your work. C'est ce pays-là. Is that land? Et ce pays-là. And that land. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? C'est un royaume. It was a kingdom. C'est un royaume. It was a kingdom. Un royaume éternel.
éternel, an eternal kingdom. Et Daniel, and Daniel avait vu la venue de ce he royaume. Saw the coming of that kingdom. J'ai vu une pierre, I saw a stone qui descendait d'une that montagne, was coming down from a mountain sans le secours d'aucune without any helping hand. Et le 28 février, and the 28th of February, le royaume est venu, the kingdom has come. Et le 8 mars, and the 8th of March, cela s'incarne, that incarnates. Et le royaume, and the kingdom, le roi marchait the king walked in Jeffersonville. Melchizedek again. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? Ce prédicateur. This preacher. Il amène un ordre. He brings an order. Il m'a fait de moi. He has made of me. Sacrificateur. Priest. Pas selon l'ordre d'Aaron. Not according to the order of Aaron. Pas selon l'ordre de Melchizedek dans Jésus. Not according to the order of Melchizedek mais in Jesus. Je suis sacrificateur. I am a priest. Selon l'ordre. According to the order de Melchizedek. Of Melchizedek. En Branham. In Branham. Je suis la continuité. I am the continuity. Je veux dire quelque chose ici. I want to say something here. Et vous les frères qui vont suivre les bandes. And you the brother who will follow the tapes. Voici la réponse à votre question. Behold the answer to your question. Quand Branham devient sacrificateur. When Branham become a priest. Parce que c'est pour vous allez comprendre. Because that's what you will understand. Jésus était mort. Jesus died. C'était le parvis extérieur. It was the outside court. L'agneau il est mort. The lamb died. Il était enseveli. He was buried. Comme le bouc Azazel. Like the scapegoat. Et il est ressuscité. He resurrected. Lui comme sacrificateur. Him as high priest. Il entre dans le parvis. He comes into the court. Les sept âges de l'église. Of the seven church c'est ages. C'est pourquoi tous les messagers étaient that's les gens du nord. That's why all the messengers were people from the north. Tous étaient les Européens. All of them were Europeans. Parce que quand il entre, il passe because dans le nord. Because when he comes in, he goes to the north. Et il fait l'expiation. And he does the atonement. Sept fois. Seven times. Paul. Irenaeus. Columbus. Martin. Luther. Wesley. Branham. Les gens là sont le sang de Jésus. Those people are the blood of Jesus. Il n'y a aucun intercesseur. There is no intercessors. Entre Dieu et les hommes. Between God and man. Si ce n'est Jésus Christ. If it's only Jesus Christ. Homme. A man. Jésus Christ, homme. Jesus Christ, man. Jésus devenait un homme. Jesus becoming a man. Paul. C'était le sang. He was the blood. Pour son âge. For his age. Qui peut dire amen? Who can say amen? Le sang c'est le message de l'heure. The blood is the message of the hour. Et le messager et le message sont un. And the message and the messenger are one. Quand il finit de faire l'intercession. When he finish interceding. Mes amis. My friends. Il doit sortir. He must come out. Comme un prêtre. As proof qu'il n'est pas mort là-bas. That he did not die there. Il doit sortir. He must come out. C'est quoi le 28 février? That's the 28th of February. Il sort dans he la nuit. He comes out in the cloud. Et il montre sa face. And he shows his face. Et le septième ange. And the seventh angel. Est sur la terre. He's on the earth. Il sonne la trompette. He sounds the trumpet. Et c'est ça la parole faite chair. And that the word made flesh. Que nous sommes pardonnés. That we are forgiven. Dieu derrière les peaux de blé rouge. Go beyond the animal skin. La colonne de feu sur les propitiatoires. The pillar of fire upon the mercy seat. Gardant ce message. Keeping this message. Pour que cela ne pourrisse jamais. For that never to rot again. C'est l'ordre que nous sommes. It's the order where we are. C'est pourquoi la Bible dit que. That's what the Bible says that. À l'ouverture des seaux. In the opening of the seals. Quand les seaux sont ouverts. When the seals were open. Qu'est-ce que nous avons vu? What did we see? Tous les tribus. All the tribes. Alors que selon l'ordre d'Aaron, c'était une seule tribu. Well, according to the order of Aaron, it was only one tribe. Mais quand les seaux sont ouverts, when the seals were open, tous les tribus, all the tribes, toutes les langues, all the language, se sont écriées, they shouted, un cantique nouveau, a new song, tu es digne, you are worthy, de prendre le livre, to take the book, de rompre les seaux, to break the seals. Tu as fait de nous, you have made of us, un royaume, a kingdom, des sacrificateurs, of priests. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Toi, tu es sacrificateur. You are a priest. Sœur, tu es sacrificateur. Sister, you are a priest. Nous devenons un royaume. We become a kingdom, des sacrificateurs, of priests. Un sacrificateur qui prêche, a priest who preaches. Un sacrificateur qui interprète. A priest who interprets. Un sacrificateur musicien. A priest who is a musician. Parce que tous ceux qui travaillaient dans because le temple, all those who are working in the temple, devaient être dans la tribu de Lévi. They had to be in the tribe of Levi. Et Branham dit à l'église. Branham said in the church. Nous tous nous travaillons. All of us we are working. Voilà ce que Amen doit comprendre. Behold what Amen must understand. Si tu viens dans cette église, if you come in this church, tu ne travailles pas. You don't work. Qu'est-ce que tu es?
Who are you? Tu n'es pas dans le temple. You are not in the temple. Un royaume de sacrificateurs. A kingdom of priests. Chacun doit travailler à l'église. Everyone must work in the church. Sœur, fais quelque chose à l'église. Sister, do something in the church. Ceci, c'est un royaume. This is a kingdom. Tous les tribus, les Baluba, oh, les the Bangala, Baluba, les Bangala, Bakongo, les Zulu, les Zulu, Kosa, les Kosa, Noirs, les Blancs, Black, les Chinois, white, Chinese, all of them. Tous. All of them. Nous devenons les sacrificateurs. We become the priest. Pour notre Dieu. For our God. L'épouse est sacrificateur. The bride is priest. J'aimerais vous enseigner quelque chose, mes sœurs. I want to teach you something, my sister. L'église dans le message, ce n'est pas tu viens, tu croises les mains, tu écoutes la parole, tu rentres. The church in the message is not you come, you listen to the word and you go back. Non, tu es sacrificateur. You are a priest. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Il y avait ceux qui coupaient la tête. There were those who were cutting the head. Des animaux. Of animals. L'autre enlevait seulement les poils. Another were removing the skin. L'autre préparait seulement la table. Another were only preparing the L'autre table. L'autre avait le parfum. Another had the perfume. L'autre entrait. Another was coming Mais in. Tous travaillaient. All of them were working. Ce qui détruit, amen. That will destroy, amen. Ça dit, vous ne voulez pas être le royaume des sacrificateurs. Meaning you don't want to be the kingdom of priests. L'épouse c'est un royaume. The bride is a kingdom. Des sacrificateurs. Of priests. Chacun doit travailler. Everyone must work. Chacun de nous. Every one of us. Il fait un travail. He does something. C'est un sacrificateur. He is a priest. Selon l'ordre. According to the order. De Melchizedek. Of Melchizedek. Un sacrificateur à perpétuité. A priest forevermore. Chacun ici c'est un sacrificateur. Everyone here is a priest. L'épouse est un sacrificateur. The bride or priest. C'est pour cela vous allez voir. That's why you'll see. Comme les frères voulaient la réponse. Like the brother wanted the answer. Frère Branham a dit Joseph. Brother Branham said Joseph. A prophet. He is a prophet. Parce que c'est le souverain. Because he is the sovereign. Nous sommes tous sacrificateurs. We are all priests. Mais il y a des niveaux. But there are levels. Il y a le souverain. There are the sovereign. Souverain premier. They are the first sovereign. Souverain sacrificateur. They are the sovereign high priest. C'est lui seul qui portait l'urim et le tumim. He is the only one who's wearing the urim and the tumim. Et ça là. And that one. C'est pour Frère Branham. Is for Brother Branham. Un grand amen. A big amen. Oh, j'ai rêvé. I had a dream. Dieu m'a dit. God told me. Pas de problème. No problem. Come here. Come here. On t'amène. We bring you there. In. One, two. Devant Frère Branham. Before Brother Branham. Devant le message. Before the message, yes, si sir. Ce que tu dis, if what you are saying, les lumières, the light du message, of the message, ne jaillit pas, they don't enlighten, on pose les mains. We lay our hands on tu you. Es un démon. You are a demon. Tu t'amènes. Say amen. C'est lui l'absolu. He is the absolute. C'est lui le souverain. He is the sovereign. Le berger en chef. He is the shepherd in chief. Et nous les acolytes ici. And us the acolytes here. Nous aussi on a notre place. We also have our place. Nous on sert là. We are serving them. On appuie ce que le souverain a dit. We're pushing up on what the sovereign says. Et vous aussi. And you also. Les diacres sont là. The deacons are there. Des sacrificateurs. The priests. Les musiciens. The musicians. C'est quand vous verrez que dans l'Ancien Testament. That's what you see in the Old les Testament. Les musiciens n'étaient que dans la tribu de Lévi. The musicians were only in the tribe of Levi. You don't just sing anyhow. Yeah, it's not the song from those village. You come here, you mix your emotions. Tu chantes sous l'inspiration. You sing under the inspiration. Tous les Baluba, tu chantes. All the Baluba, you sing. Vous n'avez pas lu la Bible là? Didn't you read that Bible? Tous les tribus, toutes all les the langues. Tribe, all the language. Ce message sera prêché. This message shall be chanté, preached. Sing. Adoré. Worshipped. Soutenu, supported de toutes les tribus, of all the tribe, toutes les langues, all the languages. Oh, j'aime ça. I love that. J'ai parcouru le monde. I went around the world. Quand j'ai prêché à l'Équateur. When I was preaching in Equator. Les mamans là. Mother's Day. Dit, oh! They say, oh why? Oh, Kansango. Listen to that news. Yeah. Lo foso. Bono angoye. Parole. They say, they shout, they scream for the word. Ça, c'est le Bangala. That is that Bangala. Qu'est-ce thing. Qu'ils accomplissent? What are they accomplishing? Apocalypse 5. Revelation 5. Quand je suis parti en Mbujimayi. When I went to Mbujimayi. Oh, j'ai vu des mamans et oh, des papas. Oh, I saw mothers and oh! fathers. Oh, my. Mwana wa muntu. The son of man. Mwambi, akula. Mwambi, speak. Ah, Zakola Mwana Mutombo. Oh, Zakola Mwana Mutombo. Ça, c'est les Baluba. That's the Baluba. Je vais aller visiter les Swahili. I'll go and visit the Swahili now. Ce message. This message. Est fait de toutes les langues. Is made of all the languages.
Les sacrificateurs. The priest. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen to that? Voyez-vous? You see? Mais il y a un ordre. But there's an order. Il faut que vous suivez l'ordre. You must follow the order. Branham lui-même. Branham himself. Étant le souverain. Being the sovereign high priest. C'est lui qui a le Urim et le Thummim. He's got the Urim and the Thummim. Dites amen. Say amen. Si tu veux traduire les brochures. If you want to translate brochures. On t'amène chez l'Urim. We bring you to the Urim and the Thummim. Si il dit. If he says, même si ton intention est even bonne, if your intention is good, on met comme ça, we put it like this, the light don't come out. Ça, we change the side. Store doesn't come out. Sit down, brother. Elder, just sit down. Les lumières n'ont pas jailli. The light did not come on. Tu commences à dire à tes brebis, you start selling your sheep, de ne pas donner la voix à l'argent de Dieu, à la voix de Dieu. Not to give money to the voice of God. Viens, elder, you're going to sit down. Refendre bien. You will sit down very well. Parce que l'ordre ici. Because the order here. La voix de Dieu. The voice of God. C'est la continuité. Is the continuity. Du ministère. Of the ministry. Du souverain sacrificateur. Of the sovereign high priest. Why are you not scared of the sovereign high priest? On ne donne pas l'argent à la voix de Dieu. Don't give money to the voice of God. Who am I? Maintenant pour répondre encore. Now to answer again. Frère Zakola. Brother Zakola. Branham a fait de Joseph c'est selon l'ordre d'Aaron. Branham made of Joseph according to the order of Aaron. C'est du père au fils. From father to son. Lisons frère Branham. Let us read brother Branham. Est-ce que c'était du père au fils? Is it from father to son? Est-ce que vous me suivez ici? Are you following me here? C'est frère Branham qui est l'absolu. Is brother Branham who's the absolute, isn't it? Branham dans le corps. Branham in the body. C'est lui Aaron. It's him Aaron. S'il a fait de Joseph. If he made of Joseph. Parce que c'est son fils. Because it's his son. On va voir. We will see. Mais celui qui était à l'intérieur. But the one who was inside. C'était Melchizedek. It was Melchizedek. Croyez-vous à ça? Do you believe that? Qui avait dit que Joseph est prophète? Who said Joseph is a prophet? Est-ce que c'est Branham? What was it? Branham? En tant qu'Aaron. Yes, Aaron. Ou c'est Melchizedek? Or is it Melchizedek? Parce que le mystère because ici. The mystery here. Hallelujah. Amen. Abraham, Abraham et Melchizedek, Melchizedek dans un même corps. In one body. Elohim, Elohim et Abraham, and Abraham dans un même corps. In one body. Maintenant, on doit savoir qui parlait. Now we must know who was speaking. C'est Melchizedek. Is it Melchizedek qui a donné l'ordre that gave the order à Joseph to Joseph de remplacer le souverain to replace the sovereign one? Ou c'était papa? Was it Daddy? Yes, sir. Frère Branham dit, Brother Branham says dans la prédication, in the sermon à partir de ce moment-là, as from that time Père, Father 116 je ne peux dire que ce qu'il en était. I cannot say that which it was. Je n'en sais rien. I do not know. Tu connais mon cœur. You know my heart. Je suis simplement honnête. I'm only honest. En ce que je déclare. In that which I declare. Tu me rends témoignage. You make of me a testimony. Père, je serai. Father, I shall be. C'est tellement doux. It's so sweet. Dieu. God. Quand mes jours seront terminés. When my days will be finished. Les jours se sont terminés le 24 décembre 1965. The game finished the 24th of December 1965. J'aimerais voir le petit Joseph. I want to see the little Joseph. Devenir un homme. Becoming a man. Afin que je lui place. That I may place him. Cette Bible dans sa main. This Bible in his hand. Car. Because. Le jour de sa consécration. On the day of his consecration. Tu as parlé. You spoke. Pas moi, Branham. Not me. Toi. You. Tu as parlé. You spoke. Tu as dit. You said. Joseph. Joseph. Tu es un prophète. You are a prophet. Ce n'est pas Aaron qui a prophétisé. It's not Aaron who prophesied. Mais c'est Melchizedek. It's Melchizedek. Qui a dit à Joseph, who said to Joseph, que Joseph that Joseph tu es un prophète. You are a prophet. Branham dit pas moi. Branham said not me. Toi. You. Tu as dit. You said. Pas moi. Not me. Toi Melchizedek. You Melchizedek. Le jour de la consécration the day of the bébés. Consecration of the babies. Quand j'ai eu Joseph. When I took Joseph. Pas moi. Not me. Toi. You. Tu as dit. You said. Joseph. Joseph. Tu es. You are prophet. A prophet.
Donc Joseph is a prophet. Selon l'ordre. According to the order. De Melchizedek. Of Melchizedek. Si yes, vous sir. Le croyez. If you believe it. Acclamez le Seigneur. Give your hand of praise unto the Lord. C'est ça la parole. Amen. Je vous dis la vérité, ma frère. On ne joue pas ici. Pas Branham. Not Branham. Pas Branham. Not Branham. Branham parle. Branham speaks. Melchizedek parle. Melchizedek was also speaking. Mais pour Joseph, but for Joseph, ngaite, not me. You, mon colonazo bouli sa en colo. The devil was consecrating him unto the Lord. You said that he is a prophet. Joseph. Fait prophète. He's made prophet. Selon l'ordre. According to the order. De Melchizedek. Of Melchizedek. Dans H.A.M. In H.A.M. Oh, dites amen, young people. Say amen, young people. Vous devez suivre l'ordre. You must follow the order. On va maintenant à l'ordre. Now we're going into the order. Quand on quitte Joseph, when we leave Joseph, quel est son rôle? What is his role? C'est de distribuer la nourriture. It's to distribute the food. Dites amen. Say amen. Maintenant Zakola. Now Zakola. Qui t'a fait prédicateur? Who made of you a preacher? Moi, mon père était commissaire des zones. Me, my father was there, one of the governors there back home. Donc, je ne suis pas né dans les, dans les tribus de Lévite. I'm not born in the tribe of Levite. Mais gloire soit rendue à Dieu. Glory be given unto God. Quand les seaux sont ouverts. When the seals are open. Ce n'est plus sacrificateur. It's no longer priesthood. Selon l'ordre de Aaron. According to the order of Aaron. Selon Melchizedek. According to Melchizedek. Dieu m'a appelé. God called me. Qu'est-ce qu'il avait dit de moi? What did he say of me? Il a dit de moi. He said of me. Si vous ne le croyez pas, moi je crois. If you don't believe it, I believe it. Quand il était sur la chair, when he was on the pulpit, il a dit ceci he says this upon me. Il a prononcé mon nom. He pronounced my name. Sous forme d'un mystère. In the form of a mystery. Dites amen. Say amen. Là, y a pas d'amen, hein? There's no amen there. Good. Very good. Quand on promet Moïse, when they promise Moses, on ne cite pas ton nom. They don't name, say your name. On cite son caractère. But they say his character. Quand on a promis Branham, when they promised Branham, on n'a pas dit Branham. They didn't say Branham. On cite le caractère. They only said the character. Quand même Jésus a été promis. Even when Jesus was on promised, on n'a pas dit Jésus. They didn't say Jesus. On cite le Messie. They said the Messiah. Dites amen. Say amen. Un jour, one day, quand je suis vivant, when I'm alive, les gens ne comprendront pas. People will not understand au sujet de cette photo about this picture. Mais quand je m'en irai, but when I shall go, Père. Father, you shall raise up the young people. The young people, ils comprendront mieux. They will understand better au sujet de ces choses. About these things. Et ils prêcheront, and they shall preach les photos. The photos. Ils prendront conscience. They will understand. Take conscience. Et les young, nous sommes venus. And the young, we have come. C'est là où Branham a parlé de nous. That's where Branham spoke about us. Les Zakola. The Zakola. Les young ici. The young here. Vous tous là. All of you here. Les Mouemabans, c'est tout Mouemabans, le monde. All of you. Il n'y a pas un autre ministère que tu peux prêcher. There is no another ministry that you can preach. Il faut que tu sois dans l'ordre. You must be in the order. Selon Melchizedek. According to Melchizedek. Dans Branham. In Branham. Si tu ne prêches pas ces photos. If you are not preaching these pictures. Fanda. Just sit down. Dites amen. Say amen. Ils donneront les vies et les définitions. They will give the life and the definitions à ces citations. Onto these quotations. Ils seront combattus. He said they will be fought. Parce que. Because. La moisson est venue. The harvest has come. Les sept anges. The seven angels. Sont venus moissonner la terre. Has come to harvest the earth. Est-ce que vous dites amen? Are you saying amen? Jésus avait dit, j'enverrai les anges. Jesus said, I shall send the angels. Pour moissonner la terre. To harvest the earth. Branham dit, c'est les sept anges. Branham says the seven angels. Il dit que quand je moissonne. He said, when I harvest. Je moissonne. I harvest. J'arrive à la fin du champ. I get to the end of the way. J'ai entendu. I heard. Et un bruit. A noise. D'une moissonneuse batteuse. Of a harvesting grinding machine. Et j'ai dit. And I said. Qui moissonne encore? Who's harvesting again? J'ai vu ces jeunes prédicateurs. I saw those young preachers. Que Dieu suscitera. That God will raise. Après mon départ. After my departure. Ils reviendront.
understood, they will emphasize and they will harvest. Say, oh Lord, laissez-moi vivre let me live long enough pour les voir quand to see it when they shall come. Et aujourd'hui, Branham est dans la gloire. And today Branham is in the glory. Il est content de nous. He's happy of us. Il est content de toi. He's happy of you. Toi aussi. You also. Tu es sacrificateur. You are a priest. Où est-ce que ton nom se trouve? Where is your name found? Il avait prié. He prayed. Il dit, oh Seigneur. He said, oh Lord. Ajoute le nombre. Add the numbers. À ceux qui croiront. To those who will believe. À cette parole. To this word. Incarné. Incarnated. Yes, sir. Si tu crois ce matin, if you believe this morning, hallelujah, amen, que Melchizedek, that Melchizedek était incarné, he was incarnated, tu es dans l'ordre de Melchizedek, you are in the order of God. Branham avait parlé de toi. Branham spoke about you. Même les soeurs, even the sisters. Branham a dit de vous. Branham said of you. Il dit, he says, j'ai prêché, I preached. Dieu m'a dit, je vais te montrer le défilé de l'épouse. God told me, show me, I'll show you the marching of the bride. J'ai vu l'épouse de Paul. I saw the bride of Paul. Qui marchait. They were marching. Avec la cadence. With the same step. En avant soldat chrétien. Let go marching Christian soldiers. Et ils sont passés. And they went by. Mais quand j'ai vu. But when I saw. L'épouse de l'Amérique. The bride of America. Il dit, je l'ai vu. He said, I saw them. Avec des rouges à lèvres. With lipstick. Avec des cheveux coupés. With bobbed hair. Et ils dansaient le rock and roll. And they were dancing on to rock and roll. Avec les mini jupes. With mini skirt. J'ai dit, Seigneur. He said, I said, Lord. C'est tout ce que j'ai travaillé. It's all that I worked for. Branham dit, ils étaient des sorcières. Branham said, they were witches. Dit amen. Say amen. Donc, selon Branham, c'est moi qui suis à Tchagabarouge. So a witch, according to Branham, is a woman who put lipsticks. Il a pleuré du Seigneur. He cried, he said, Lord, tous les efforts que j'ai fait, all the effort that I've put in, Dieu lui dit, attends. God says, wait. L'épouse reviendra de nouveau. The bride shall come back again. Il dit, ma consolation. He said, my comfort. J'ai vu l'épouse. I saw the bride. De différentes nations. From different nations. De l'Afrique. From Africa. Hallelujah. Amen. Quand on dit Afrique, when they say Africa, Mbujima est dans l'Afrique. Mbujima is in Africa. Jobek is in Africa. C'est nous les Africains. It asks the Africans. Et du monde entier. And of the entire world. J'ai vu les sœurs. I saw the sisters. Sœur Ozoyoka. Sister, you listening? J'ai vu les sœurs bien habillées. I saw sister well dressed. Avec des longues robes. With long skirt. Et des longues jupes. With long robes. Ce n'était skirt. Pas serré comme les saucissons. It no. Was not tight like Poloni. No. You yourself ask yourself the way you come to church, Branham saw you. Elles étaient naturelles. They were natural. Et elles marchaient. And they were marching. Avec le pas de l'évangile. With the step of the gospel. Et tous. And all of them. Regardaient vers. Marching, looking towards them. Ils regardaient à qui? They were looking to who? Et ils sont partis. And they went by. Mais quand ils partaient, but when they was going, j'ai vu celui de I Suisse. Saw the one of Switzerland, yes sir. Et de l'Allemagne. And the Germans commençaient à sortir. They started going aside. Et j'ai crié. And I shouted. Rentrez dans la ligne. Come back in line. Rentrez dans la ligne. Come back in line. Hallelujah. Amen. Et je suis sorti de la vision. And I came out of the vision. Et ce matin, je suis and ici. And this morning, I'm here. Comme la continuité. Like the continuity Branham, of the ministry of Branham. Pour dire à tous les frères. To say to all the brothers. Rentrez dans la ligne. Come back in the line. Rentrez dans la ligne. Come back in the line. Soutenez la voix de Dieu. Support the voice of God. Rentrez dans la ligne. Come back in the line. Les sœurs. The sisters. Habillez-vous comme frère Branham. Dressed like Brother Branham said. Jobur n'est pas le ciel. Jobek is not heaven. Habillez-vous comme Dieu vous a vu au ciel. Dressed like God saw you in heaven. Et mariez-vous comme au ciel. And get married like in heaven. Et en ce moment-là. And in that time. Vous deviendrez. You shall become. Un royaume. A kingdom. De sacrificateurs. Of priests. Et quand vous le devenez. And when you become. Dans ce royaume-là. In that kingdom. Il n'y a qu'un seul roi. There's only one king. C'est Melchizedek. It's Melchizedek. Qui le? Who is he? Le roi de paix. The king of peace. Comme vous avez reçu cette parole. Like you received this word. Et vous avez compris l'ordre. And you understood the order. J'ai prié ce matin. I prayed this morning. Que la paix
de Dieu, may the peace of God inonde vos cœurs, overshadow your heart. Que celui qui avait un problème, the one who had a problem, qui le tourmentait, that was tormenting him, vient seulement toucher cette chair. Only come and touch this là où j'ai prêché cette parole, where I preached this et word, recevez la paix, and receive peace, la paix, peace, la paix, peace, la paix, peace, dans ton problème, in your problem. Recevez ça. Receive it. Parce que because lui l'avait dit, he said partout, everywhere, où ce message, where this message sera prêché, will be preached, le même ange, the same angel viendra, shall come, et confirmera, and confirm la parole, the word. Ce n'est pas ma parole. It's not my word. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Recevez la paix. Receive peace. Recevez le shalom. Receive shalom. Recevez la vie. Receive life. Recevez vos théophanies. Receive your théophanies. Et que la paix de and Dieu. And the peace of God. Ce matin ici. This morning. Je lance un défi à I tout le monde. I challenge everyone. Celui qui peut vaincre le raisonnement. The one who wanna overcome the nous reasoning. Nous ne venons pas ici jouer. We don't come here to play. Il y a un Dieu réel. There's a real God. Que Abraham avait rencontré. That Abraham met. Tu peux le rencontrer you tout can suite. Meet him again. Et lui le Melchizedek. And he's Melchizedek. Il te donnera la paix. He shall give you il peace. Te donnera la guérison. He shall give you il healing. Te donnera le salut. He shall give you salvation. Il te donnera le succès. He shall give you success. L'argent. Money. Les voitures. God. Les maisons. Houses. Le Saint-Esprit. L'adoption. Adoption. Les mariages. Marriage. Et tout ce que vous avez and all that you need. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Oh, lève nos mains. Let us raise our hands. Chantons ensemble. Let us sing together. Only believe. Only believe. Only believe. Only believe. Dites Seigneur. Say Lord. Je crois cela. I believe that. Je crois cela. I believe that. Tout est possible. All things are possible.